cousin. TV Web pour ce 7e tour qualificatif de la Coupe de France. Nous sommes en direct de Nouma Dehlé où à 14h30, Yengensport, vainqueur de la Coupe Calédonie édition 2023, sera confronté à l'US Thionville Lusitanos, pensionnaire et leader de la poule Grand Est en National 3 en France. Donc pour cette rencontre, je serai accompagné de Kenji Vandégou, qu'on ne présente plus, entraîneur de l'AS Cougné, ancien joueur international, mais aussi ancien joueur pardon, de l'AS Lessi, pardon, mais entraîneur de l'AS Cougné. Et puis, bonjour Kedji. Bonjour John, bonjour à tous. Alors, sur la rencontre, un petit mot. Oui, une rencontre 7e tour de Coupe de France, hein, qui va avoir affronté Yengen contre Thionville. Quand on gagne la Coupe de Calédonie, on a souvent cet objectif aussi de pouvoir se mesurer un peu à une N3, voire une N2 de métropole. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui entre Yengen et Thionville. Donc oui, aujourd'hui, je crois que c'est la 34e ou la 35e participation de ces équipes calédoniennes pour le 7e tour de Calédonie. Une seule fois a été prolifique pour ces équipes de Nouvelle-Calédonie. C'était l'AS Magenta en 2010. Et donc aujourd'hui, on espère que ça va changer les choses. Oui, en 2010 contre Magenta avait battu Dunkerque ici même au stade et avait été joué un 8e tour à Paris contre le Paris FC il me semble. Mais oui, ça reste toujours difficile parce qu'on voit aussi l'écart qu'il y a entre le niveau de notre football calédonien au niveau des clubs et par rapport à ce qui se fait au niveau de la 4e et de la 5e division française. Et c'est vrai que c'est difficile parce que il nous manque aussi de jouer ces matchs de haut niveau, on va dire, pour pouvoir battre plus souvent ces équipes-là. Ouais, en plus de ça, donc on a cette équipe de l'US Thionville où dedans, à l'intérieur de cette équipe, évoluent donc des joueurs qui ont été en centre de formation professionnelle à Metz ou à Lille, ou encore l'entraîneur qui, lui, a joué au niveau, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur. Donc, c'est des points bénéfiques et des avantages pour ces équipes quand elles arrivent ici. Oui, bien sûr. C'est des clubs de National 2, de National 3 qui récupèrent des joueurs, souvent des joueurs qui n'ont pas percé au niveau professionnel dans les centres de formation, comme des grandes équipes qu'il peut y avoir proche de ces petites villes-là. Voilà, comme le FC Metz en l'occurrence pour Thionville qui est juste à côté. Je crois qu'on a un joueur qui était en centre de formation à Metz. Et c'est aussi l'avantage que ces équipes ont, c'est qu'ils bénéficient de ces apports de joueurs qui ont été formés pour le haut niveau du football français notamment. Ouais, ça va être une belle expérience et un bon apprentissage pour nos joueurs calédoniens. On voit, ils sont venus en masse. Les supporters, justement, ça arrive encore petit à petit pour justement être derrière nos cagous pour essayer de justement retourner cette situation de 34 participations ou 33 ou 35, je ne sais plus, mais où on n'a eu qu'une seule réussite sur ces participations. J'espère qu'avec tout cet afflux de gens qui viennent au stade, là on les voit, les jeunes, les moins jeunes, qui viennent justement pour mettre fin à cette petite suprématie française qui arrive ici et qui nous empêche de pouvoir continuer à passer ces tours, donc 8e tour. On l'a fait qu'une fois, j'espère qu'on le fera un peu plus souvent. Oui, on connaît le 12e homme de Yengen notamment, qui va affronter Thionville là, cet après-midi, et c'est toujours une force. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés en nombre, comme d'habitude, mais ce n'est pas uniquement les habitants d'Yengen ou du Nord qui sont supporters de Yengen Sport aujourd'hui, c'est toute la Calédonie qui va essayer de pousser pour pouvoir
voir notre équipe locale pouvoir se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France. Et Thionville, c'est quand même une grosse équipe. Hein. Genji, on l'a vu, enfin, sur leur parcours en Coupe de France, ils sont partis du 4e tour, ils ont battu une régionale 1, Boulay, une régionale 2. Rethel et Saint-Didier, et aujourd'hui Saint-Didier, et aujourd'hui Yengensport, on voit justement en parlant de Yengensport la future composition, enfin la composition de ce jour, avec en attaque ce joueur Brice Daïté qui revient, et puis bah, tous les autres joueurs, Jordan Wetia aussi qui va être en attaque, Cédric Sanson on le voit, Jordan qui sera derrière, Roy Caera, c'est pas il va évoluer, mais je pense que derrière aussi, avec et puis... Donc cette équipe qui, avec Félix Tagawa, qui depuis maintenant 6 fois, je crois, qu'ont remporté la Coupe de Calédonie, n'ont pas réussi, eux aussi, avec cet entraîneur, Félix, à justement passer ce cap. Oui, mais après, c'est toujours un travail de longue haleine. Hein. On ne peut pas, du jour au lendemain, malgré tous les joueurs qu'on a, pouvoir espérer se qualifier tous les ans s'il n'y a pas un travail derrière. Et là, c'est vrai avec les joueurs qu'on a vus, des joueurs qui ont une grosse expérience au niveau local, mais qui ont aussi une expérience internationale. Notamment, beaucoup de joueurs ont participé à la Coupe du Monde des clubs, qui s'est passée au Qatar. Voilà, on parle de Cédric Sanso, on parle de Antoine Ruiné, de Roy Caillara, de Rocky Nikein, des joueurs qui ont quand même une petite expérience, que ce soit local, mais aussi dans la région, par rapport à la sélection de Nouvelle-Calédonie, et aussi internationale, avec cette participation à la Coupe du Monde des clubs au Qatar. Donc on a des joueurs qui peuvent tenir la dragée haute à ces équipes-là, mais maintenant il va falloir le montrer sur le terrain, sur le rectangle vert, comme on dit, la vérité, elle se passe sur ce rectangle vert-là. Voilà, sur ce rectangle vert où justement cet entraîneur français, ancien joueur professionnel, Julien François, qui a joué au Gazélect avec Robert Wayaridri, qu'on salue, qui doit être à Koné. Et donc, on a vu cette composition où il y a des joueurs, des anciens joueurs qui étaient des anciens pensionnaires du centre de formation. Et donc, c'est justement un apport qui va justement mettre en difficulté cette équipe de Yengen. Mais quand même, il y a quand même des avantages, comme tu le disais tout à l'heure, pour nous, avec cet environnement, ce 13e joueur qui sera avec nous dans les tribunes. Il y aura ce temps qui... Comparé à la France, ils s'entrent dans l'aspect hivernal et nous, on est en train d'approcher de l'été. Donc, il y a ce décalage justement au niveau climatique. Ça, est-ce que ça va favoriser? Est-ce que ça va désavantager? Justement, on va pouvoir le voir et j'espère que la Yengen va profiter de tous ces paramètres justement pour les additionner et les mettre au bénéfice de leur qualité, de leurs compétences et de ce qu'ils vont pouvoir offrir aujourd'hui sur le terrain. Oui, voilà, c'est sûr qu'au niveau de la météo, ça va être un décalage pour ces joueurs de la région du Grand Est, parce que là, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 5 degrés qui fait là-bas, et là, ils arrivent, la chaleur, elle commence à... La température est bien remontée au pays depuis une semaine, donc ça va être un avantage pour l'équipe locale, pour Yengensport. Donc on verra comment ça va se passer, mais on a regardé un peu les échauffements tout à l'heure, c'est toujours intéressant de regarder un peu les échauffements, et on voyait que techniquement déjà c'est très très fort dans les prises de balles, dans les enchaînements, donc ils auront aussi cet avantage là, Thionville, de pouvoir avoir un niveau, on va dire technique, un petit peu plus élevé que nos joueurs calédoniens, mais la météo va certainement jouer aussi sur les organismes. Voilà les équipes, donc les deux équipes avec ces trois arbitres, donc monsieur Rainville Nicolas qui a été désigné par justement la direction technique de l'arbitrage, donc le français, et puis les autres arbitres assistants. On a vu les trois assistants calédoniens qui sont là justement à encadrer ce match. On voit ces deux capitaines, Roy Caillara pour Yengen et... Pour revenir sur les arbitres, là on a M. Rainville, donc pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, la Ligue 2 en métropole, c'est un arbitre qui a l'habitude d'officier sur les pelouses de Ligue 1. Donc là en termes de compétences arbitrales, on devrait voir quelque chose de différent par rapport à ce qu'on voit les week-ends, sans remettre en cause les compétences de nos arbitres, mais c'est vrai que là, un arbitre qui arrive de métropole pour cette rencontre, ça peut être que bénéfique pour l'enjeu de ce match et pour le résultat de ce match. Et pour aussi nos arbitres calédoniens qui vont pouvoir échanger et profiter justement de cet apport
d'expérience. Oui, voilà, on voit monsieur Chenot, monsieur Brial et monsieur Lacour qui ont l'habitude de voilà qui tous les week-ends sont sur les terrains. Et ça va leur permettre aussi d'acquérir de l'expérience, même s'ils en ont déjà au niveau régional notamment. Donc c'est bien pour nous, pour les joueurs, c'est bien pour les arbitres. Donc c'est une belle fête auquel on va assister aujourd'hui et ça va être bénéfique pour tout le monde. C'est ça. À Limoges, on venait de voir là Julien François, donc l'entraîneur, le voilà à l'écran. Cet entraîneur de l'US Thionville qui va être rejoint par Félix Tagawa. Là, les deux entraîneurs. Il y en a un qui surfe actuellement sur les bons résultats, sur les perfs. Julien François, donc ancien pensionnaire de la Ligue 1, Ligue 2 avec le FC Metz, avec Martigues. Et qui aujourd'hui est leader de son championnat, National 3, donc le Grand Est. Et qui, depuis le début de saison, est invaincu et la meilleure défense du championnat avec ses... 8 matchs, 16 matchs, je crois, ou 14 matchs, en comptant les matchs de préparation, sans défaite. La meilleure défense, c'est la deuxième meilleure attaque de ce championnat. Alors, on le voit face à Félix Tagawa, qui a essuyé justement une saison difficile. Fini troisième. Ça a été des difficultés, vraiment, cette année 2023 pour cette équipe de Yengen, qui finit quand même sur le podium, mais troisième. C'est pas source de qualification pour... la O-League, mais en tout cas le dernier match, le dernier résultat de Yengen sur ce mois, c'est une défaite 7-1 face à Tiga il y a 2-3 semaines. Oui, c'est ça. Bon, pour revenir rapidement sur Julien François, là, le coach de Thionville, voilà, un petit clin d'œil, il était avec un petit bout de Manou pour dire bonjour aussi, donc ça montre aussi le respect qui règne entre les éducateurs, entre les équipes. Mais oui, Yengen, le dernier match reste sur une lourde défaite contre Tiga. Je pense qu'ils avaient déjà aussi la tête à étant donné qu'ils ne pouvaient plus accrocher les deux premières places, ils avaient déjà la tête à la préparation de cette Coupe de France qui vient de ce septième tour qui vient de commencer là à l'instant avec le coup d'envoi des arbitres. Voilà, donc le coup d'envoi a été donné. Yengen Sport en blanc face à l'US Thionville Lusitanos en bleu. Avec ses deux capitaines, Roy Kayara, là, qui vient de toucher le ballon, donc, le 4, et de l'autre côté, François Borgé. Donc on voit Roy Kayara qui, comme on l'avait pressenti, est dans l'axe de la défense centrale avec Jordan. Donc c'est un peu une composition, on va dire, classique pour Félix Tagawa, avec Willy Yentao sur la gauche et Ivan Bami là-bas Bami sur à la droite. En attaque, on voit tout de suite Jordan Wechia et Antoine, Ami Ruiné. Et le milieu est classique hein, avec Dan Jaiwe, avec Brice Daïté et Cédric Sanjoa. À l'écran, il va très vite vers l'avant. Le voilà pour Romy. Ami, hors-jeu, signalé hors-jeu. Donc on a ce fameux 4-3-3 qui est opéré à chaque fois par Félix Tagawa avec cette pointe basse là au niveau des milieux. On le voit, c'est un hors-jeu pour Yengen. Mais Cédric Sanso qui est cette sentinelle là qui va ratisser aux côtés de Ranchin et Dan Diaye. Le rôle de Fanzi Ranchin va être intéressant pour voir un peu comment ils vont évoluer Yengen, notamment sur l'animation lorsqu'ils auront le ballon. Là on voit sur l'animation défensive que c'est Fanzi qui prend ce rôle de sentinelle avec à côté de lui Cédric. Cédric Sanso et Dan Jaiwe un peu plus sur la gauche. Donc on verra une fois qu'ils auront le ballon. Et attention, là il y a une occasion pour Thionville, un petit centre en retrait. Oh, premier arrêt. Bel arrêt de Rokunikein. Attention, parce qu'on l'a dit, hein, c'est la deuxième meilleure attaque. Et donc là, il y a première justement alerte du côté du but de Rocky. Il y a ces joueurs qui sont en permanence devant, il y en a trois toujours du côté de Thionville, là on le voit. Hein. Et on a l'impression que c'est une formation 4-4-2 mais qui se transforme rapidement en 4-2-4 voire en 4-3-3. Oui, c'est ça, oui. En phase offensive. Après, c'est tout est question d'animation maintenant hein, dans le football. On peut mettre l'organisation qu'on veut sur le papier, que ce soit un 4-4-2, un 4-3-3. Et c'est une fois qu'on a le ballon en fonction de la position du ballon et des adversaires, comment on va s'organiser l'équipe qui a le ballon. Et là c'est vrai que. En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde devant les buts quand ils attaquent les bleus. Enfin, les bleus aujourd'hui, c'est Thionville, hein, on a l'habitude de dire les bleus de Yengen, mais. Les Bleus aujourd'hui, ça sera Thionville et c'est vrai qu'ils attaquent à plusieurs. Donc là, ça sera une sortie de but.
un moyen, justement, on voit à l'écran les joueurs de Thionville-Lusitanos. Voilà, c'est intéressant de voir comment se placent les joueurs de Thionville aussi. Voilà, ils ont, voilà, on dirait un petit 5-4-1, on verra en phase défensive. Voilà. Maintenant, les évolutions font que ça bouge, ça fluctue un petit peu en fonction du jeu. Et je pense qu'on va chercher beaucoup ces longs ballons. On va chercher, c'est pour ça que Cédric n'est pas en sentinelle, je pense. C'est parce qu'au niveau offensif, on va essayer de le trouver sur les dégagements avec son timing. Une déviation en appui. C'est ça. Voilà, Cédric encore vers Jordan Wetia. Bien joué de la part première de Valentin Poinsignon. Jordan et Antoine vont amener aussi leur vitesse. Donc on verra sur les phases de transition. Ça va être important de voir comment ils vont exploiter aussi la profondeur que va laisser Thionville dans leur dos. Là, ça s'est vu, on a tout de suite recherché Jordan et il a réussi à se procurer une faute là, très très bien placée, hein, sur un beau coup franc que Roy Caillera a l'air de prendre le ballon pour s'en charger. Ah voilà, Roy, il est à peu près à 20-25 mètres, excentré à droite, à gauche du gardien en tout cas, face. Une bonne occasion d'amener le ballon devant les buts et c'est voir ça. Un peu comment se... On a Cédric Sansot qui est dans la boîte là avec... Au marquage, Cédric Sansot, c'est Maxime Détadéo qui est lui aussi 6. Ouais, donc c'est deux grands. Le plus grand, ouais, je pense qu'il est. Les deux plus grands, c'est le plus grand. Donc là, on voit Roy Caillera aussi. C'est, le match est lancé en tout cas. On a deux équipes qui, vraiment pour l'instant, montrent des profils intéressants. On voit, au sol, bien joué. Ouh, et il y a hors-jeu quand même. Il peut. Roy. Intéressant dans les attitudes des joueurs de Yengen, c'est qu'on voit qu'ils sont rentrés dans leur match malgré la petite dévue qu'il a pu avoir en début de match là, sur l'occasion de Thionville. Mais en tout cas, ils sont bien rentrés dans le match. Là, ils se replacent de manière assez rigoureuse au niveau lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Là, sur ce 4-3-3, là, on voit bien. Donc déjà, au niveau des attitudes, c'est très intéressant. Ils sont là, ils sont dans les duels, ils sont présents. Voilà, avec Ami et Dan qui récupèrent le ballon derrière sur ce beau travail de... Et qui va récupérer un coup franc encore une fois. C'est une faute de Borger sur le numéro 2, Kael Borger. Face à Diane Daiwe, on le voit, crochet de l'intérieur. C'est une faute qui aurait été intéressante pour US Thionville, mais malheureusement, ça aurait pu bénéficier justement si Dan était passé. On avait sur le côté gauche Ami qui avait pris le couloir, Brice Daïté qui avait plongé, donc ça aurait été. Bonne opportunité, mais ça reste quand même avec ce coup franc, position dangereuse quand même pour essayer de faire quelque chose. Dan Jaiwe qui prend de plus en plus de place dans cette équipe de Yengen, hein, c'est vachement intéressant parce que c'est un petit jeune de là-haut qui a commencé tout doucement à se faire une place dans cette équipe et là qui montre de belles choses en tout cas sur ses premières minutes. Ah. Touche. Ah, parlant de Diane Daiwe, ça me fait penser parce qu'il est durant cette saison, il a joué aux côtés de Nolan. Oui. Nolan Alebat qui lui est justement un petit coucou aux 17 ans en Indonésie. Là, malheureusement, les scores, ils ont pris 24 buts en 3 matchs, le dernier match face à l'Iran, mais ça reste une belle expérience pour eux. J'espère qu'ils vont apprendre ce qu'ils ont pu. Partagé face à des équipes qui sont vraiment de haut niveau. Retour justement à ce corner dangereux. Attention, tu prépares Riyad Abbas. Très bien joué. Attention, Riyad Abbas encore. Repris par Didier Tma sur la côté gauche. Joué. Et voilà vers Brice Daïté. Ah, bien revenu. De part de Valentin Poinsignon. Oui, pour revenir sur les 17, c'est vrai qu'ils ont pris 24 buts, mais ils ont affronté des grosses équipes. Hein. Ils ont affronté l'Angleterre qui est championne d'Europe des moins de 17 ans. Le Brésil qui a une valeur sûre dans n'importe quelle catégorie. Et l'Iran qui avait fait une belle impression contre l'Angleterre et contre le Brésil aussi. Bien sûr, oui, oui. Donc c'est des équipes de gros calibre, mais c'est toujours c'est de l'expérience à prendre. Et ça montre aussi le niveau qu'il y a à combler pour nous, au niveau des jeunes. Mais le travail se fait tout doucement. Et il faut qu'on passe par là pour. C'est ça le plus important, c'est de comprendre le message qui a été passé, même s'il y a eu des erreurs ou des choses qui ont été faites sur le terrain, mais c'est de tirer des leçons, apprendre et puis corriger. Parce que maintenant on arrive à se jauger, on a pu justement voir quel était le niveau, notre niveau et le niveau des autres.
À partir de ça, on peut trouver des outils, justement, des facteurs qui vont donner les clés de ce qu'on pourra développer et demain être à la hauteur de ces équipes. Attention. Bah, l'idée aussi de participer à ces Coupes du Monde, malgré les scores fleuves, c'est de mesurer, donc je disais tout à l'heure, le niveau qu'il y a. Et pour pouvoir combler un peu ce déficit, il faut qu'on joue un maximum de participation à la Coupe du Monde. Mais ça passe par des qualifications régionales. Donc il faut que le travail se met en place. Ça fait 3-4 ans que le département technique forme des éducateurs, met en place une politique sportive pour le football calédonien. On ne pourra pas tout avoir du jour au lendemain. Donc c'est un processus qui est long et il faut avoir confiance aussi au travail du département et de la fédération sur ce côté-là. Mais voilà, l'idée, c'est de jouer un maximum de fois ces phases finales de Coupe du Monde, notamment chez les jeunes, hein, chez les 17 ans et les 20 ans, pour pouvoir s'aguerrir à ce niveau-là. C'est ça. Et puis là, on voit hein, l'Iran aujourd'hui, ils ont un bon niveau. L'Indonésie aussi, on a vu l'Indonésie qui a fait des belles perfs. Mais ils sont passés par justement les étapes dans lesquelles justement on s'y trouve. Donc, on a plein d'exemples, hein, même au niveau européen. Avant, quand des équipes comme l'Azerbaïdjan, le Liechtenstein, l'Andorre qui prenaient des pilules, des 11-12-0 contre des grosses équipes européennes. Maintenant, on regarde les qualifications de la zone Europe, c'est des 2-1, c'est des 3-1. Oui, c'est devient de plus en plus serré. C'est ça. Donc, en tout cas, retour au match, et on voit quand même depuis quelques minutes cette équipe de Yengen s'installer dans le coin adverse. Dian Jaiwe, attention, il faut rester concentré, ils se sont arrêtés, il faut continuer à jouer. C'est une supériorité numérique là. C'est ça. Mais Yengen manque de belles choses sur cette 10 premières minutes. Ouais. C'est cette petite faute de Roy Caiera sur Amin Groun. C'est un changement. De l'autre côté, c'est de chercher. Voilà, trouver de Matteo. Sur Thibaut Jacquel, faute. Donc, il y a une faute intéressante. Au 20 mètres sur Thibaut Jacquel. Le voilà qui récupère ce ballon et qui s'est passé entre Cédric et... C'est pris un peu en sandwich entre Cédric et Brice. Et Brice. Il y a eu beaucoup franc, ouais, 25 mètres. Coup franc. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Très peu de vent, quand même il fait chaud. Il y a du soleil. C'est un temps agréable pour justement un match de foot. Ouais. Et donc ça va être pour les deux équipes comme le seul petit que je pourrais avoir, c'est le terrain qui est... Le terrain a l'air sec d'un côté, mais... Bien sec et pas encore assez bien pour que le jeu soit assez rapide au sol, donc pas été humidifié. Et là, attention, coup franc, ça c'est une belle alerte pour Thionville. En tout cas... Ça va être une bonne occasion pour eux de pouvoir atteindre le but. Le ballon a été pris. Attention. Voilà. Au-dessus. Trop haut. Ouais. Faudra faire attention à ne pas donner trop de cartouches dans ces zones-là. Quand on sait que c'est quand même la deuxième meilleure attaque de leur championnat, ou dans leur championnat, il y a quand même 5 équipes réserves de clubs pro. Strasbourg, Metz, Martigues. Il y en a deux autres encore. Et 3. Cette équipe est leader de son groupe, voilà, de National 3 avec des équipes de centre de formation, des équipes réserves, des clubs pro. Ça veut bien dire que la qualité est là. Oui, c'est ça. Et Strasbourg est troisième, ils sont premiers. Et on le voit, hein, c'est une équipe qui est organisée, qui est en place. Non, on le voit, ils sont 4-2-4 hein, sur cette phase offensive. Voilà, ils prennent toute la largeur, on le voit, la largeur est bien occupée. Je pense qu'ils ont des assurances techniques, on va dire ça comme ça, dans le sens où ils ont confiance en leur qualité technique. Et c'est pour ça qu'ils permettent de faire tourner, d'écarter. Mais voilà, la difficulté, ça va être là. Lorsque Yengen va récupérer, c'est là où il va falloir être assez efficace dans la transition. C'est ce qui se passe avec Fonzi et Dan. Dan. C'est dommage. Précipité, attention, ça repart. Bien joué. Il a voulu trouver une 2 là. Amin Groun qui n'a pas pu trouver son attaquant via la basse. Et Jordan, hein, on le connaissait très bien, un joueur avec une grosse couverture, une très belle vision de jeu et qui arrive très bien à se mettre sur les trajectoires de passe.
Attention, Abbas qui lui est un ancien pensionnaire justement de centre de formation, je crois qu'il était au LOSC. Donc un joueur à surveiller aussi. C'est ça, on a Abbas qui vient du LOSC et Collet qui vient de Metz. C'est ça. Latéral gauche là-bas, Vincent. Exactement. Collet. Vincent Collet qui a fait partie de l'équipe de France des 17 ans en Inde. Donc il a joué contre la Calédonie. Il a joué contre les joueurs comme Pierre Bacco, comme Henri Wellepan. Et bien d'autres. Abiezer Geno. Abiezer qui est actuellement pensionnaire, enfin qui est joueur de Grenoble. Et Grenoble qui s'est qualifié justement, là, j'ai vu les résultats ce matin. Ils ont gagné 2-1 à l'extérieur contre je ne sais plus quelle équipe, mais ils sont qualifiés pour le 8e tour. Pour le 8e tour. Ah, c'est Yengen qui repart à l'assaut avec son gardien. Donc un petit clin d'œil à Abiezer là-bas qui est peut-être devant la télé pour pouvoir suivre ce match. Dendiaoué qui essaie de passer mais récupéré par Belkacem qui écarte à gauche pour Vincent Collet. Ça revient dans l'axe. Tintetadeo. Le voilà. Il va trouver le capitaine Lurger. C'est bien joué. À droite pour Valentin Ponsignan qui va chercher très loin. Voilà. Bien joué. Voilà, ça joue très bien au sol. 7, ça repart. Joris Belkacem. Et voilà, ouais. Trouvé dans l'espace esselé. Amin Groun qui réussit à trouver Abbas, oh bien là, joué. Bien, eh bien, il n'y a et rien voilà. à dire. Ça a été amené tranquillement depuis leur. Et on le disait, ouais, cette équipe qui a vraiment confiance en ses qualités techniques. Et là, ça s'est vu. Hein, c'est une belle phase de conservation sur le côté droit. Ouais, et puis et ça crée un décalage dans le milieu de terrain. Et voilà, ils sont arrivés à 4 contre 3 dans le derrière. Et quand on regarde, il n'y a pas eu de vitesse hein, d'exécution dans justement cette succession de passes. Bah, ça a été que, voilà, du jeu juste. C'est ça. Comme on sait que le ballon va plus vite que le joueur. Donc à partir du moment où tout est fluide, et ben on ça aboutit à des actions comme ça. Ouais, c'est ça. Bien joué, c'est cette manière de faire. Bah, bien joué, voilà. Le plus difficile, c'est de jouer simple au football. Et là, on a vu, hein, ils ont joué simple et ils se sont créés une occasion et ça a fait mouche sur le côté. Il y a eu des décalages du début à la fin, et ce qui a permis à Thionville de marquer ce but. Donc voilà, 15e minute. Premier but. Allez, on va pas dire un peu contre le cours du jeu, mais c'était une première partie de match qui était équilibrée. Yengen était arrivé à être dans le camp de Thionville, s'est procuré quelques occasions, quelques situations plutôt. Et voilà, il faut continuer, c'est pas fini, hein, il reste encore du temps. Ouais, une petite faute encore sur Abbas. Non, c'est contre lui, c'est lui qui fait la faute. Donc ça va être une faute pour. Bami. Et on voit devant, c'est chirurgical. Hein, là, ils ont eu deux occasions, un but. C'est la deuxième occasion, c'est la deuxième fois qu'ils se présentent devant le but. Et donc on voit, il y a Willy qui est passé devant l'attaquant et qui, en tombant, fait chuter le défenseur de Yengen. Une faute. La faute dans le duel aérien entre Cédric et son. Ils sont partenaires de la journée, on va dire ça comme ça, parce que je pense qu'ils vont se rencontrer plusieurs fois là sur ce terrain, les deux numéros 6. Là, ça va être un beau duel. Ça tourne, ça part à droite. Ah, Yengen qui met en place son bloc aussi défensif, voilà, qui va récupérer ce genre de ballon. Et c'est là qu'il faut être efficace. Attentif. C'est ça. Voilà. Bien joué, Dan. Bien joué. Bien joué, là, c'est bien joué. Pour Ami. Ah, c'était juste. Ah, c'est ça là, qui manque, cette pelouse qui doit être un peu arrosée. Ça aurait donné de la vitesse à ce ballon lorsqu'il aurait touché le sol. Ça aurait peut-être donné l'avantage à l'attaquant. Surtout sur ces ballons que Yengen va pouvoir être très dangereux sur ces phases de transition, là, sur des récupérations assez hautes au niveau du milieu de terrain. Et pouvoir alerter les deux flèches devant que sont Ami Ruiné et Jordan Wichia. Donc là, il va falloir être efficace techniquement pour pouvoir arriver jusque dans la surface de réparation adverse. Voilà, premier but, Gourichi Shafik. C'est ça. 16e minute. Là, longue touche. Longue touche de Willy Yentao. Attention. Ça essaie de bien jouer. Attention, c'est parti. Groun.
Là, y a pour Abbas qui va trouver Agroun encore, qui met un ballon dans l'espace bien anticipé de la part de Rocky Nekein. Il sort ce ballon. Mais Vincent Collet surveille bien son côté gauche là-bas. Jordan Wetia. Qui est présent. Le voilà. Le voilà Jordan qui fait cet appel. Part dans l'espace. Mais toujours vigilant. Voilà. Di Taddeo. Oui, il renchaîne, ouais, belle frappe, sans problème pour Alexis Zimmermann. Très bel enchaînement de Fondy. Très bel enchaînement, mais ça repart aussi vite de l'autre côté avec Collet, qui va très vite. Il y a Shafik devant lui, il préfère revenir pour les trouver, recommencer. Voilà, c'est une équipe qui va prendre son temps. Je pense maintenant en plus qu'ils mènent au score. Ils vont prendre leur temps, ils vont travailler un petit peu au niveau de la conservation pour pouvoir créer des décalages, ça va tourner, dans les intervalles. Bien en place. Voilà, c'est ça. Voilà, récupération. Oh, attention, ces ballons-là, ces ballons sont dangereux. Voilà, c'est récupéré. On partira avec Bami. Gauche. Ah oui, Lien Tao, pardon. Eli, ça bouge pas, ça bouge pas. Ah. Il n'y a pas de solution. Il a oublié de revenir. Alors, Ami, qui est redescendu, qui change complètement de l'autre côté vers Jordan. Jordan Wetia, suivi de près par... Vincent Collet. Ouais, on a vu, hein, Willy Yentao avait le ballon. Il y a eu très peu de porteurs autour de lui pour pouvoir... peu de mouvement. Ouais, pouvoir jouer sur ces passes courtes-là. Ouais. Attention, faut pas bien jouer. À part d'être Djitma. Ouais, là, c'est Cédric qui va se bien jouer. Attention, bien joué. Ah, bien couvert. Et une faute sur Collet. Ça, ouais, bien couvert de la part du capitaine. Attention, le trop plein d'engagement qui peut. Voilà, parce que là, pour l'instant, l'arbitre est éviter les successions de ce genre de fautes. Là, et bon, ça peut porter préjudice à force, mais c'est de trouver un équilibre. On le voit bien, hein, c'est sur ces déviations, sur ces récupérations assez hautes où Yengen arrive à être. Essaie d'être dangereux. Et il y en a une qui va passer au bout d'un moment, mais voilà, il va falloir être très très attentif et exploiter les bonnes. Les bons ballons au bon moment. Et là, maintenant, il va falloir se réappliquer sur le bloc défensif, parce que cette équipe-là garde le ballon, garde très très bien le ballon sur les phases de conservation et avance et arrive à avancer avec. Voilà, trouvé dans l'espace Shafik. Ils arrivent à varier leur jeu, hein. Ils arrivent à jouer court, ils arrivent à jouer long, et c'est précis. Et... Ouais, ils alternent le rythme, ils alternent les phases, jeu long, jeu court. Voilà, il ne faut pas s'arrêter de jouer. Thibaut Jacquel qui va trouver au deuxième poteau Groun. Oh, bien joué. Kane. Amine Groun, numéro bateau. 10, qui a l'air de, techniquement d'être un peu au-dessus de la moyenne. Oui, il est qui est plutôt très à l'aise avec le ballon. C'est un 10, ouais, il arrive à organiser le jeu, même s'il est plus sur le côté droit. Mais, Et on dirait qu'il est gaucher. Et il est gaucher. Ça lui permet de rentrer un peu avec son pied gauche comme ça. Attention. Bon, ça, c'est bien joué. Et belle couverture de Roy qui peut le mettre en corner. Ouais, ça sera un corner pour justement Amine Groun. Qui est un peu le meneur de jeu avec Thibaut Jacquel. Ouais. Tous les ballons passent par lui. Et Thibaut Jacquel aussi touche un peu le ballon. Mais c'est surtout ce joueur qui va frapper ce coup de pied de coin. Attention, il y a de la densité là dans le. Il y a 6 joueurs bleus dans la surface de réparation. C'est plutôt statique pour l'instant, mais voilà, ça joue sur le grand numéro 6. Dégagé de la part de Ranchin. Sur De Taddeo, Maxime De Taddeo, voilà, qui. Je pense que ça va être le. Attention, c'est parti. Ça fait grogner encore. Taddeo qui va être le receveur privilégié, je pense, sur les longs ballons, que ce soit sur les touches ou sur les corners. Donc il va falloir être très attentif. On a Cédric qui. Et il suit Cédric. Hein. C'est ça. J'ai l'impression qu'il est. Cédric descend. Hop, il y a une faute
Une mauvaise touche. Ouais, mauvaise touche. Peut-être il est rentré à l'intérieur, on va pas. Je sais pas, en tout cas, c'est notre problème ça en Calédonie. Oui, après. Les touches. Il y a eu beaucoup de touches qui ont été refaites chaque fois cette saison. Après, apparemment, il y aurait une loi qui arrêterait justement de se focaliser sur les touches. Et même si elle est mal faite, eh ben, qu'on continue le jeu pour justement donner la possibilité au jeu d'exister et de faire vivre au maximum. Ça part à droite, donc Valentin Poissignan qui va trouver Groun. Récupéré. Petite Maha, Jordan. Touche. Donc ils ont quand même des difficultés à sortir. On le voit quand le ballon il part de derrière, c'est difficile pour les défenseurs de trouver des solutions. Plus de reprises. Voilà. Ça, parce qu'on fait les efforts pour récupérer le ballon et souvent c'est à la récupération, c'est difficile. Il faut garder la lucidité pour pouvoir relancer, pour pouvoir se déplacer dans les bons espaces. Et voilà. Et là c'est ce genre de ballon. Voilà. C'est dommage, mais ça va passer au bout d'un moment. Ce qui est bien, c'est que Yangan défend en avançant là. Attention, ah, ça joue bien, ouais, ça change, c'est parti de l'autre côté pour Shafik. C'est bien, ça touche les ballons, continue. Oui, c'est bien Jordan il est à fond. Ouais, pour toi. Avec Brice Daïté, là, qui perd ce ballon. Et qui va le récupérer là-bas. Il est seul, il récupère la touche quand même. Déjà 24 minutes de jeu. Et voilà Cédric dans le duel aérien. Ouais, récupéré, ouais, hein, c'est là Joris Belkacem. Et le voilà. Deuxième organisateur, le voilà. Je disais tout à l'heure Thibaut Jacquel qui va trouver Groun sur ce côté droit avec son pied gauche. Ouais. Il rentre à l'intérieur comme tu disais. Ah malheureusement il n'a pas de pied droit. Il a continué avec son pied gauche. Passe approximative. Ami sur son côté gauche, bien joué, qui arrive à trouver de l'autre côté. Bien ça, c'est magnifiquement joué. Ah, oh, il a poussé trop loin. Pourtant, il est hors jeu, Jordan. À chaque fois, il n'arrive pas à... C'est dommage, c'est pas grave. Ça veut dire que voilà, la difficulté dans cette équipe de Thionville, c'est vraiment de contenir ses attaquants lorsque le ballon est récupéré assez haut dans les transitions. Ouais. Là, sur les images, on voit que c'est très, très limite. Il n'y a pas d'hors-jeu. Mais ça, voilà, ça montre qu'il y a la place. Pour venir embêter un petit peu plus ce gardien. Continue, bien joué de la part de Brice Daïté, Roy Kaira à droite. Voilà, il faut du soutien, il faut des appuis. On revient encore sur Roy Kaira. Voilà, ça c'est bien joué. Qui trouve Brice Daïté, Ili, qui va aller chercher loin devant. Et bien contrôlé. Un contrôlé de la part de Valentin Poissignan. Qui permet à Zimmermann de relancer sur son côté gauche. Repasser par le voilà. Vincent Collet, Michael Berger. Ah, Yangan hein, sur les phases défensives qui sont plus en 4-4-2 avec Brice qui redescend sur le côté droit là-bas et Dan qui décale sur le côté gauche. Et on laisse le milieu à Fonzi et Cédric. Pour amener un peu plus de densité par rapport à un 4-3-3 où justement il manque un joueur au milieu et là. Un peu plus difficile. Et là, mettre 4 joueurs dans le milieu, ça amène de la densité pour contrer un peu plus cette équipe de Thionville qui aime avoir le ballon sur ce qu'on voit là sur les premières minutes. Attention, c'est là. Il faut aller vite sur la droite là-bas, bien joué. Roy, tu peux. Ah, il peut la trouver pied gauche. Non, c'était à droite. Il était en jeu. Il était complètement esselé de l'autre côté, Ili. Jean-Claude, attention, ça part Groun avec son pied gauche. Par Angers qui va trouver de l'autre côté Michael Bourget avec un beau ballon en profondeur. Voilà, Rafik. Attention à pas se jeter, Ivan. Oh, c'est bien, bien joué. Bien arrêté. Voilà ce petit slalom là de Shafik Gourichi qui trouve un 1-2 avec. Troisième frappe déjà des Bleus de Thionville. Cadré. 27 minutes, ouais, cadré. Ils arrivent à trouver ces petits décalages sur ce petit jeu de déviation. C'est là où ils font mal hein, sur les joueurs de Yangan.
ils arrivent à les déséquilibrer en une touche de balle, en préparant leurs attaques, en variant le jeu court, le jeu long. Et c'est ce qui fait que souvent, cette équipe se fait surprendre. Mais voilà, on a Rokin et Kane dans les buts, hein, donc une valeur sûre de notre championnat et de notre sélection de Calédonie. Tout seul, il était tout seul, Joris Belkacem, deuxième poteau. On est vite sorti sur lui, Brice Daïté. Heureusement en tout cas, voilà ce corner, deuxième poteau, esselé. Ouais, attention à ne voilà, pas laisser des joueurs seuls dans la surface comme ça sur des corners, ça peut être très très dangereux. Voilà. C'est pas dégagement de Rokin et Kane, très long dégagement qui va trouver la tête de. Ah allez voilà le duel entre Sanso. Ça va être un beau duel. Et De Tadeo. Long ballon vers Abbas qui est seul, qui arrive. Heureusement, il contrôle approximatif qui permet aux joueurs de Yann Gen de récupérer le ballon. Jean-Claude Illy qui avance. C'est Ivan Bamy qui est à droite. Ah, c'est Ivan, pardon. Ivan Bamy, je crois que c'était Illy. Ivan. Oui, Ivan, pardon. Illy Yentao à gauche, Ivan Bamy à droite. Le voilà. Ivan Bamy. Et lui, il a envie de provoquer, il a envie de jouer. Mais très bien couvert, encore une fois, de la part de Jordan. C'est son gros point fort. Hein, ses couvertures de balles dans sa vision de jeu, encore une fois. Comme un espèce de libéro un peu à l'ancienne. C'est ça. Ami Rouinet, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu évoluer avec cette équipe de Yengen. Aujourd'hui, eh ben, il anime ce couloir gauche, le voilà, avec un contrôle. Il s'est redressé, ils sont trouvés à Tendewe, très loin là-bas pour essayer de trouver Brice Daïté. C'est bon. Gourichi, Shafik. Bien joué, Fonzi qui est venu mettre un peu de la pression. Il faut éviter de laisser du temps à ces joueurs-là. Techniques qui sont très techniques, il faut toujours être assez proche d'eux, dans leur espace proche, pour pouvoir leur permettre de ne pas trop s'organiser avec le ballon, parce qu'on sait très bien que ce genre de joueurs-là, très techniques, ils peuvent faire mal. Et là, c'est ce qui s'est passé, on a mis un peu de pression, ils ont permis de récupérer le ballon. Là, ça, c'est bien joué. Bien joué. De la part de Brice. Ouais, voilà. Très bien joué. Il s'est servi de l'appel de Jordan Wittia pour justement. Emmener ce ballon. Parce qu'on parlait du numéro 10 de Thionville, mais on a des gros joueurs techniques aussi hein, du côté d'Yengen, notamment ce joueur-là, Brice, hein, regardez sur la prise de balle. Ici sur sa prise de balle, la petite feinte de corps qui va permettre de. Ah oui, voilà, magnifique. Hein. Brice Daïté qui fait du bien à cette équipe de Yengen. Attention, parce que le voilà encore, Groun, qui donne une touche. Abbas. Voilà. Là, ça va jouer dans les duels. Pas qu'on s'énerve, faut qu'on reste concentré, On voit les duels, il y a des tirages de maillots, je pense que ça doit parler toujours. Donc ces équipes-là, elles sont habituées, hein, donc il ne faut pas qu'on sorte de notre match. C'est ce qui nous manque un petit peu ici, cette espèce de vis aussi. Oui. Et c'est en métropole, voilà, à tous les niveaux, ils le font très très bien pour faire un peu découpiller les adversaires. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et on sait qu'on a des joueurs à caractère, on va dire... Des caractères bouillants, on va dire. Sans chaud. Ouais. Donc il faudra éviter de ne pas tomber dans ce piège-là parce que. Et c'est le souci depuis le plus jeune âge, hein, depuis les plus petites catégories. On l'a vu avec les moins de 17 ans, avec Nolan Alebat qui s'est énervé alors que c'est. C'est ça. C'est un tournoi où il n'y aura que 3 matchs à jouer. Le moindre carton rouge, ça handicape l'équipe. Abbas. Voilà, Fonzi, bien joué. Ouais, une faute. Bon, c'est des bonnes, c'est des bonnes fautes. Oui, c'est cette gestion des émotions qui nous fait défaut hein, sur notre jeu et avec nos jeunes joueurs notamment. Apprendre à gérer nos émotions, c'est très important, que ce soit dans le positif, c'est-à-dire quand on marque un but ou quand on prend l'avantage, essayer de tout de suite se reconcentrer, mais aussi quand on a des joueurs qui sont un peu vicelards, on va dire ça comme ça. Apprendre à gérer nos émotions pour ne pas pénaliser notre équipe et pas dégoupiller dans le match. C'est ça, c'est vachement important. Et ça commence plus jeune âge, justement. Fonzi Rochin, retour au jeu. Groun encore. Oh bien joué encore.
Voilà, c'est bien joué de la part justement de Jacquel. Thibaut Jacquel qui a essayé de trouver, qui lui aussi, hein, c'est lui vraiment le 10, le meneur avec sur qui les ballons passent et il le redistribue. Rhône aussi peut le faire. Bien joué. Il va pas le lever. En jeu. Si, il était en jeu. Non, mais il était loin l'arbitre. J'espère qu'il était à. Non, il me semble que qu'Antoine était en jeu. Il a fait l'appel et c'est Roy qui a mis un peu de temps à déclencher sa passe longue. Voilà. Mais voilà, oui, il avait un petit mètre d'avance. Petit pied d'avance de Tadeo qui va organiser. Lancer à gauche pour Borger qui va trouver Collet qui va ressortir avec son gardien Zimmermann qui va chercher au milieu. Ils vont passer dans cette zone, dans cette phase de conservation pour essayer de faire sortir les bancs. Ils arrivent là, les faire sortir et puis après aller chercher loin. Oud, attention, qui prend l'avantage. Tao. Ouais. Attention. Allez, encore. Ils peuvent. Il est seul, faut lui parler. Jaiwe. Il vient sur son saut. Il faut du mouvement. Il trouve un 1-2. C'est bien, Dan. C'est bien joué. Il joue, il prend de la confiance. Ouais. Il se projette. Il se projette et. Il n'a pas peur. Même s'il est un peu, on voit, il se retient, mais quand même. Il va y aller. Fanzi Rochin. Jacquel. Combat des 8. Attention, Ami. Ruiné. Bien joué, bien ça. Joué. Ça, c'est bien joué. Allez, Antoine. Allez, Ami. Oh là là. Ah, c'est très bien joué, cette frappe instantanée de la part d'Ami Ruiné. Très belle mise en jeu de Fanzi, hein, qui met ce petit ballon dans la profondeur. Et Antoine, avec sa vitesse, qui réussit à. Voilà, c'est très bien joué. Le capitaine qui reste sur la même ligne que son partenaire, qui vient cadrer. Et du coup, qui laisse cet espace derrière dans son dos, qui permet à Antoine, de prendre le. De le prendre de vitesse et c'est dommage, c'est pas cadré, mais voilà, on a encore des situations. Il va falloir commencer à être un peu plus efficace pour pouvoir mettre en difficulté ce gardien de but là-bas. En tout cas, on est à la 35e minute de ce match. On est toujours sur la FCF TV Web. Si vous nous rejoignez, bonjour à tous. Il y a 1-0, 16e minute, le but de Shafik Grourichi qui permet justement à l'USTL, donc l'US Thionville Lusitanos, de mener 1-0 ici à Nouma Dele. Et Ranchin qui relance, qui amorce cette attaque. Bien oreillé par Collet qui reste au sol. Ouais, faut sortir. À droite, faut sortir. Brune encore lui, qui trouve Jacquel. Non, voilà. Qui trouve, pardon, c'était Belkacem. Brune encore. Oh. Non. Le risque qu'on Roy dézone comme ça, c'est que justement il libère son espace derrière et là ils étaient à deux doigts d'en profiter, donc il faut faire attention. Ouais, il faut qu'il garde vraiment son poste, qu'il essaye d'évoluer dans sa zone. Ou sinon qu'un milieu ou que quelqu'un vienne compenser sa sortie. Et là ça s'est pas passé. Ça n'a pas été le cas, donc ça a été dangereux pour Yangan derrière. Ouais, c'est difficile hein, quand ils sont à 4 comme ça devant de. On connaît, de récupérer la zone de son partenaire qui dézone. Roy, il aime bien sortir ouais, comme il ça. Aime sortir. Donc, c'est ce qui fait aussi sa force, hein, c'est qu'il arrive souvent avec une. On le présente plus, on sait que c'est un gros joueur qui a une très très belle vision du jeu. Et il arrive à sentir ces coups-là. Mais voilà, des fois, quand après, ça passe pas, il faut faire attention parce que le risque est pris et quand ça passe, ça devient dangereux tout de suite pour son équipe. Oui, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est le dernier rempart. Ouais, c'est lui derrière, il y a le gardien. Il a bien joué ce coupon de la part de Jacquel. Et ce ballon qui n'est pas arrivé. Ah, c'est là il va falloir faire mieux dans cette relance. Attention là, Ivan essayait de jouer juste. Rocky. Ah, il y a Ngane qui fait une bonne impression hein, malgré tout. Et qui, attention, doucement. Voilà, là il ne faut pas s'énerver. Et oui. Eh non, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on disait. Cette gestion des émotions, c'est gestion de l'affect. Là, alors que lorsqu'on est. Puis ça, c'est pas une grosse faute en plus. Hein. C'est on va dire une petite faute pour énerver. C'est des fautes qui arrivent tous les week-ends sur les terrains de métropole, notamment. Donc c'est à nous de savoir gérer ça. Non, mais ils le savent, hein, les joueurs de Yangon. Ouais, oui, ils savent, ils l'utilisent des fois. En plus. Donc oui, ils le savent. Il faut qu'ils prennent conscience aussi qu'il faut.
justement, si ça leur arrive, garder justement cette capacité à pouvoir continuer à jouer de façon raisonnée. Voilà, on voit Roy qui est encore en train de parler avec son attaquant. Voilà, il lui explique, il vient. Oh, ça. Faut juste que si ça continue comme ça, de pas basculer. C'est ça en fait. Tu peux garder le, oui, exactement. Le contact, la parole, voilà. avec le gars, mais il faut pas briller, basculer. Quoi, exactement. Et après, c'est celui qui aura la capacité mentale à tenir le mur. Attention, Roy, le voilà. Allez, bien joué pour Jan. Ah, c'est donc. Allez, encore. Roy. Oh là 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 là. C'est pas fini, ça continue. Non, il n'y a rien là. Attention, parce que bien joué de la part de Franzi. Ivan. Voilà, prenez le temps. Ça, c'est pas de solution, ça sert à rien d'y aller. Oh là là. Attention, parce qu'après, c'est là. C'est justement sur cette phase de. D'essai. Voilà, cette phase d'attaque. Après, ça devient dangereux. Bien joué de la part de Rokuniké. À partir du moment où on amorce une attaque, on désorganise. C'est ça. On se désorganise. Donc derrière, il faut jouer juste. Sinon, après, on l'a vu, hein, contre-attaque. On a bien vu une petite prise de risque de Brice. Hein. C'était le geste qu'il fallait faire. C'est Ivan qui n'a pas pris le bon espace. Et derrière, tout de suite, hein, en deux touches de balle, c'est sorti. C'est parti. Il y a eu un contre un. Un contre un. Heureusement, Croquis a bien anticipé parce qu'il s'est couché un petit peu avant. Il s'est couché avant. Alors, on le voit, ça part. On le voit là, Abbas qui part, il est avec son pied droit. Et il va. Voilà, Croquis était déjà au sol. Il était déjà au sol. Il a anticipé sur son côté droit. Et puis, il a eu une bonne lecture, ce qui a permis justement à Yangen de garder ce score de 1-0 et de ne pas bien jouer rapidement sur Brice Deïté. Roy. Attention, parce qu'après. Allez, attention, il est tout seul là. Et là, il y a du 2 contre 2. Attention, il y a du 2 contre 2. Regarde Abbas, ça part à gauche. Troisième qui arrive. Attention, il va vite. À gauche, il n'y a personne. En tout cas, bien défendu. Ça tient un fil hein, derrière de sur part, les ouais. paires de balles. Quand Thionville monte, il se trouve toujours soit en égalité, soit en supériorité numérique. Et ça peut être très très dangereux. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser aspirer. Encore une fois, garder ses émotions. On est sur une phase de récupération haute. On a un coup franc, on a une balle de but. Et souvent, on essaie de. Voilà, on a eu une occasion juste avant. Donc on se dit qu'il faut qu'on aille pour essayer de venir revenir à la marque. Et derrière. On laisse un peu les espaces dans notre dos et c'est ce qui fait qu'on se retrouve en difficulté. On va le revoir. Voilà. Il y a Dabas part sur le côté gauche qui revient vers l'extérieur. Mais même s'il est déséquilibré, Tiditma a réussi à enrayer cette attaque. Mais quand même, il y a un corner. La part de Groul, sorti, ça va sur des Tadeo, non, récupéré par Jordan Wetia. Oui, il y a une faute de Jordan. Pied haut de Jordan, c'était peut-être pas volontaire, mais c'est dangereux. Non, c'est pas volontaire. Mais... On dirait qu'il a mis son crampon soit sur le thorax ou sur l'abdomen du joueur adverse. Donc attention à cet excès d'engagement. On le voit. Ouais, c'est ça. Ouais, le genou dans l'endroit. Au niveau de la poitrine, ça fait toujours mal. Ouais. Bon, c'était pas volontaire, il n'y avait rien de méchant, donc. Non, c'est pas. Ça nécessite pas. C'est dans le jeu. Et on voit quand même à l'image ces joueurs de Thionville qui sont affectés un peu hein, par la. On en parlait tout à l'heure de la météo, de cette chaleur qui est tombée un peu tout à l'heure là. Là, heureusement que le ciel s'est un peu couvert et que le vent a un petit peu repris, mais on les voit, ils sont un petit peu. Oui, et puis il y a le décalage, on ne récupère pas comme ça un décalage horaire. Ils sont arrivés mardi, le match est samedi. Quelques jours pour récupérer, quelques jours pour se remettre en route au niveau de tout ce qui est mécanisme, musculaire, donc aux récupérations. Je ne sais pas comment ils sont, si ils ont pu voir aujourd'hui à quel état de forme ils sont. Attention. De Tadeo, Franzi Ranchin, bien joué, ils sont à 3, ils sont pas assez, il faudrait plus derrière ça, faudrait monter, faudrait les accompagner derrière, faudrait pousser ce bloc de Yangen pour justement soutenir cette animation offensive. Il faut donner plus hein, sur ce genre de match, hein, il faut donner plus en termes d'effort, en termes de rythme, en termes de répétition de course. Oui, physiquement, mentalement, bien joué. Et là,
Et là, le but. Et le voilà. Oh non, hors-jeu. Ah, hors-jeu. Oh non, il est encore une main. Ah, ça, on va le revoir à l'image, mais c'est d'ici, c'est... Ouais, je suis pas sûr. Après, on va voir. On va voir. On a vu les supporters qui sont debout, qui... justement, qui sont contents que Yengen puisse marquer, mais après, bah, nous, on n'a pas la VAR hein, ici. Hein. Oui, non, là, il n'y a pas de vidéo assistante pour justement vérifier la validité du but. Donc, on se tient justement à la décision arbitrale. Le voilà avec Antoine. Aye, voilà, Amir Rouinet. Qui... À l'image, pardon. Oh, là, en ballon, là, il n'y a rien. Ballon. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a pas. C'est peut-être là. Alors, s'il la touche, c'est il est peut-être en situation. Touche. Mais s'il la touche pas, s'il la touche pas. Mais déjà sur la tête, il est par rapport à la ligne, il est aligné. Il n'est pas hors jeu. Déjà sur la tête de Cédric. Le 6 est derrière. Détadeo qui est là. Et là, c'est. Et même s'il la touche, il n'est pas hors jeu. Je ne sais pas, il a été voir où son hors jeu. Parce que là c'est la troisième fois qu'il signale hors jeu. Ouais. Et c'est limite. Hein. Donc, je ne sais pas, mais. Là, c'est vrai que là, des erreurs d'arbitrage à ce niveau-là, quand même, c'est... À ce niveau-là, faut pas s'amuser et prendre des décisions à la légère. Donc voilà, ce but qui a été refusé, c'est dommage, hein, parce que l'arbitre, là, ça fait troisième fois, là, plus de trois fois qu'il signale des hors-jeux. Attention, ça repart. Ça va être un corner bien joué de la part de... Yengen a repris un peu du poil de la bête. Ouais, ils arrivent à mettre en difficulté à... Les joueurs de l'US Thionville. On est déjà à la 44e minute. Hein, 4e, c'est un match ça passe très vite. Ça passe très vite. Parce généralement, que quand ça passe vite, c'est que le match est animé, c'est un super match. Et là, ouais. Et ça montre encore une fois que Yengen a les possibilités de pouvoir arriver à se créer des occasions. Là, c'était une très très nette occasion, un but même qui a été refusé sur une position de hors-jeu apparemment qui n'existait pas. Mais c'est la deuxième fois, en tout cas. Il faut continuer, il faut laisser l'arbitre, les arbitres faire, il faut continuer, c'est là la difficulté justement toujours dans cette gestion des émotions. Voilà, de rester dans le match malgré les décisions défavorables. Voilà, un corner avec Cédric, on le voit. Bien frappé. Attention. Et voilà. Jouer, il faut continuer. Amir Rouinet, et voilà. Et voilà, l'arbitre. La mi-temps est sifflée. Donc on a pu voir dans cette première mi-temps. Même si on a trouvé un équilibre entre ces deux équipes, Kenji, il y a quand même justement une supériorité technique, même si physiquement ils ne sont pas encore au point, les joueurs de l'US Thionville avec ce décalage. Mais on a quand même vu, on va revoir ce dernier corner, où Yengen aurait pu, même s'ils ont marqué juste avant un but refusé, il y a quand même, on voit quand même une petite supériorité de la part de Thionville. Oui, c'est un match qui est plutôt équilibré, en tout cas en termes d'occasion franche, on va dire que Thionville les mène au score. Et d'ailleurs, il mène au score hein, sur 1-0, mais par rapport aux occasions franches, par rapport à la physionomie du match, on va dire ça comme ça, ils ont le ballon, ils arrivent à se créer des occasions aussi, sur des phases de conservation, ensuite créer le danger, mais on voit que Yengen a une réplique très très bien. Donc ça va nous donner une très très bonne deuxième mi-temps. Je pense que Félix va avoir les bons mots pour ses joueurs à la mi-temps pour leur donner un peu plus de motivation et tout donner sur cette deuxième mi-temps pour mettre en difficulté cette équipe de Thionville, parce qu'on voit qu'il y a la place pour pouvoir aller marquer un voire plusieurs buts. Donc il y a des possibilités, ça se joue sur quelques détails, cet aspect technique où il y a cette aisance, mais en tout cas il y a une possibilité pour Yengen Sport de revenir au score ou peut-être de faire quelque chose. En tout cas on est à la fin de cette première mi-temps ou de cette première période où Thionville mène 1-0. On se retrouve dans un quart d'heure pour justement vivre cette deuxième partie de ce septième tour de Coupe de France ici à Noumadélé. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
Lausanne.
Lausanne. De France, Kenji est toujours à mes côtés, toujours donc 1-0 pour Thionville, but de Shafik Gouriti à la 16e minute, mais Yengen a montré quand même un très beau visage, a montré quand même une très belle résistance à cette équipe de Thionville qui est apparemment supérieure, mais quand même on a eu donc un but refusé, des actions intéressantes, une animation offensive intéressante de la part de Yengen, et puis là on va voir sur cette deuxième mi-temps quelles ont été les consignes qui ont été données par les différents coachs. Donc c'est parti, c'est reparti pour Yengen. Ouais, une belle première mi-temps de Yengen Sport hein, qui a montré qu'ils avaient les capacités pour pouvoir arriver devant le but et se créer des occasions. Hein. On a encore revu malheureusement ce but qui a été refusé sur un hors-jeu qui n'existait pas. Mais voilà, ça donne de l'espoir, en tout cas pour cette deuxième mi-temps, en espérant que Félix a pu trouver les bons mots pour son équipe et ses joueurs, pour leur permettre de donner quelques gros coups de fouet pour pouvoir repartir sur cette deuxième mi-temps. Alors, en tout cas, c'est les aléas du football. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il y a quelques moments forts pour Yengen, il faut s'appuyer dessus et essayer de résister sur les temps faibles. Mais en tout cas, il y a des possibilités. Abbas qui repart avec Groun dans l'axe. Abbas qui va écarter à gauche. Il y a eu un remplacement justement. Oui, le numéro 14 qui est rentré. Le numéro 14 qui est rentré et qui a cédé sa place. Ah, j'ai l'impression que c'est Jacquel qui est sorti. Ah non, il est là, le numéro 8. Ouh. C'est le buteur. Voilà. C'est le buteur qui est sorti. C'est le buteur. Le numéro 14 qui est rentré. Rafik Gouriti qui a laissé sa place. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Qui a laissé sa place à Luca Pignatone. Là, ça va être un corner intéressant pour Yengen Sport.
C'est ça, Pignatone. Pignatone. Lucas joue en deux temps pour Roy qui retrouve Brice Daïté qui va essayer de chercher Roy. Ah, qui était en position d'hors-jeu. Il était en position d'hors-jeu. C'est des actions de but qui sont gâchées, mais il faut savoir les utiliser au mieux pour mettre en difficulté l'adversaire. Là, on leur a redonné le ballon. Ça va repartir, justement, de Zimmermann qui va trouver. Voilà, de Tadeo qui touche ce ballon à gauche, qui va essayer de trouver Pignatone dans l'espace, bien couvert, de la part de Roy Kayara. Attention, attention, c'est dangereux, bien joué. Artigit, Ivan, Bami qui va essayer de lancer Roy. Attention, attention. Bien joué, la part de Amir Ruiné. Le gardien qui sort un peu à l'aventure. Allez, Dan, on peut la tenter. Ah, dommage. Ah. Ça va mettre un peu plus de puissance et être un peu plus précis, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas grave. C'est bien tenté. Il a pris l'initiative. Au moins, il n'a pas eu peur et il s'est caché à donner le ballon à une autre personne. Il a tenté. C'est bien. Il y a un beau ballon dans la profondeur là qui a permis à Antoine Ruiné de venir me mettre en difficulté là au contact du gardien. Et le gardien qui, avec un peu de chance, a réussi à se dégager. C'est dommage que, voilà, que Dan n'a pas pu mettre assez de puissance et de précision pour pouvoir, pour pouvoir le tromper. Ça aurait fait un beau but en tout cas. Ça aurait fait un beau but. Toujours ce duel entre le Tadeo et Yangen qui est revenu avec de bonnes intentions. Hein. Ça fait depuis le coup d'envoi, ils essaient d'avoir le monopole du ballon, ils essaient de mettre un peu de percussion, un peu plus de percussion. Donc c'est bien de ne pas subir aussi ces équipes-là qui aiment avoir la maîtrise du ballon. Ça a vraiment passé 4-4-2, j'ai l'impression. Ça aurait descendu. Et le voilà. Cédric qui n'arrive pas à prendre le dessus encore sur De Tadeo. Voilà Cédric. Alors, Fonzi Ranchin, bien joué. Bien joué techniquement. Ça continue. Et il y a une faute. Reviens à la faute. Doucement, voilà. Voilà, c'est là où il faut pas s'emporter. Ouais, il faut garder son sang-froid. Pas se laisser porter justement par, on le disait tout à l'heure, tu le disais si bien, ce côté émotionnel. Là, Roy, il est en train de discuter avec l'arbitre alors qu'il a sifflé, il a laissé l'avantage. L'avantage n'a pas été fructueux, donc il revient à la faute. C'est une situation, on va dire, normale. Donc il faut éviter de s'énerver et de sortir de son match parce que on peut le payer très cher. C'est ça, et entretenir justement cette mauvaise... perd des fois les pédales, il faut arrêter d'en parler, il faut retourner dans le jeu, il faut retrouver d'autres objectifs, de s'appliquer techniquement ou être plus efficace. Attention, bien joué de la part pour Fonzi. C'est dommage. On arrive dans la surface de réparation adverse. Yangen arrive à se présenter là sur du jeu direct, hein, sur des passes en profondeur. Il faut faire mieux. Là, il faut faire mieux. Il faut aller un peu plus vite dans l'analyse de la situation parce que là, on s'est rendu compte que Fondi a levé la tête un peu au dernier moment. Mais voilà, les intentions sont là en tout cas sur cette deuxième mi-temps et c'est ce qui est très très intéressant pour les joueurs du Nord. Là. En tout cas, ça va permettre à Thionville de se dégager avec son gardien. Zimmermann très loin qui va trouver Sanso. Un joué Sanso qui trouve Brice Daïté. Il garde ce ballon. Et voilà, attention à ne pas perdre. Voilà. En tout cas là. Là c'est la continuité de tout à l'heure où Cédric qui s'était un peu emporté. Là il fait une faute qui n'est pas nécessaire ici, mais on l'a vu hein, sur l'action précédente où Cédric est très très précieux avec son jeu de tête. Ça, faut qu'il continue à rester dans le match, pas sortir justement de ses gonds avec cet aspect, comme tu le disais encore, je le répète, hein, cet aspect émotionnel, trouver un équilibre entre ce qui est raisonné. Et ce qui est émotionnel et puis attention ce ballon bien joué de la part de Roy Fonzi, c'est un mauvais contrôle de Jordan. Bien joué de Tadeo. Super de Tadeo à roulette avec derrière un petit ballon piqué, mais c'est parti en touche et cette touche bien jouée pour Fonzi. Bien joué encore Brice Daïté. On a des beaux duels. On va faire faute.
Attention, ça continue. Roy dans son dos. Pour Rocky, ballon cloche. Et ça sera une touche. Nguyen est présent dans les duels, est présent dans les couvertures, dans les lectures de ces passes-là, dans les profondeurs. Dans la profondeur, pardon. Donc c'est une bonne entame de deuxième mi-temps. Ok, bien, ils arrivent. On n'a pas vu encore comparé à la première mi-temps où très vite on a vu une action dangereuse de la part des joueurs de Thionville. Et puis bah, dans cette deuxième mi-temps, un départ vraiment bien géré de la part des joueurs de Félix Tagawa. Où ils sont en place défensivement. On le voit là avec Andy Ranchin. Là, Ivan Bami qui met très loin ce ballon. Jordan Wechia qui va la chercher. Et derrière, ça suit bien. Même si ce n'est pas assez rapide, c'est mieux qu'en première mi-temps où le bloc suit justement le ballon qui sort. Ça va repartir. En devant avec une tête. Ouais, attention, il ne faut pas laisser rebondir ce ballon quand on a l'avantage. Pignatone. Et là, il va siffler la main. Qui obtient quand même. Ah non, c'est une main. Une main de la part d'Ivan Bami. Allez, il faut se replacer. On est bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Voilà, on revoit cette action, cette main de Ivan Bami. Un coup franc, bien dégagé de la part de Roy. Valentin Poinsignon, qui n'a pas pu adresser un bon ballon à ses coéquipiers dans la surface. Voilà, éviter de tomber dans des petits temps un peu morts comme ça. Ah, ça peut... être dangereux. Vincent Collet, encore une fois, Ivan Bami qui est impérial dans les airs. On va toujours sauter, ouais, bien Dan. Bien joué Dan devant Poinsignon. Récupéré par Jordan Wechia qui pousse, il est tout seul là. Il va plus vite. Il va utiliser sa vitesse, il va le provoquer en un contre. Ouais, là, la faute. Et il y a une faute. Une faute. Toujours pas de carton. Ici à Nouma Dele. L'accord des échanges respectueux entre ces deux équipes. C'est toujours dans le cadre du jeu. Une implication intéressante de la part des deux équipes. Pas forcément d'animosité ou de jeu dangereux. Ouais, l'ambiance du match est plutôt bonne. Hein. Il n'y a pas de mauvais gestes ou quoi que ce soit. Mais... il y a quand même un respect mutuel. Et, eh bien, en tout cas, on a justement un coup franc excentré intéressant, même si le vent est pas favorable, mais... ouais, là, ces ballons-là, il faut mettre du monde devant, sinon pour le gardien, c'est trop facile. Ça, et ça part, ça repart très vite. Là, ça, c'est Groun. Oh là, je crois que c'est le premier geste technique qui loupe de la partie. Attention. Attention. Voilà. Long ballon pour Amir Ruiné de la part de... qui a essayé de la récupérer. Ouais, gros ballon cloche, mais il y a une touche. Touche quand même qui a été signalée. La 56e minute. 10 minutes de jeu. On a toujours une équipe de Nguyen qui occupe... la partie adverse et qui n'arrive pas à trouver le filet. En tout cas, ça part Collet, Vincent Collet qui retrouve Pignatone, bien défendu de la part d'Ivan Bami. Ouais, déjà 11 minutes dans cette deuxième période. Oui, sur ce Pignatone qui revient vers Jacquel. Okay, il va trouver Belkacem pour aller vers Berger qui retrouve du côté bien joué de la part de Bami. Henriette et Tadeo. Le voilà Jacquel pour Pignatone. Ah, une faute. Il y a eu une collision entre les deux joueurs.
Une belle sortie dans les pieds de Rocky, il fallait y aller, il allait au charbon là sur, le, sur cette sortie là. Gagne son duel, Rocky Nikaïd, et par contre les deux joueurs sont au sol. Ça, j'espère que c'est pas trop grave ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, on a vu quand même le voilà l'impact là, un beau ballon de la part de Jacquel et puis Pignatonnet qui vient glisser et dans l'élan. Ouais, c'est plus le joueur de Thionville hein, qui vient avec son pied en avant. C'est ça, c'est pour ça que faut voir. Faut voir ce qu'il y a. Bon, l'arbitre a sifflé, hein, faute contre, contre Thionville et ballon pour Yengen. Mais... Pour Yengen, mais c'est l'état surtout de Rocky Nikaïd qui est important. Après, il y a quand même Jacques, hein, son petit frère, qui est bas, qui est sur le banc. Mais quand même, on a vu quand même Rocky Nikaïd qui est quand même dans une belle forme aujourd'hui. On a vu sur la première mi-temps où il y a eu deux face-à-face, où il est sorti vainqueur de ces deux face-à-face. Un contre un, vraiment un contre un où il a anticipé sur Abbas, Ryan Abbas, tout seul. Bon, on connaît les qualités de Rocky, hein, et c'est une des pièces maîtresses de cette équipe de Yengen. On l'a vu encore en Super League cette année où il a été primordial pour eux aussi. Oui, et en coupe. En championnat aussi, où il a sorti des gros matchs. On le revoit, ouais, c'est ça. Donc le perdre là, ça serait un petit coup dur quand même pour gros coup dur aussi. Pour Yengen, donc faudrait que voilà, il va se relever, voilà, il est costaud Rocky. Voilà. Le portier de Yengen Sport sur ses jambes à l'écran, vous voyez Shafiq Gourici qui à la 16e minute ouvre le score pour Thionville et qui permet justement à cette équipe de mener 1-0. On est à la 60e minute et Yengen en début de deuxième mi-temps qui continue de pousser. Continue sur cette lancée de fin de première mi-temps. Ils sont revenus avec de meilleures propositions. Et les voilà repartis à l'attaque avec leur gardien Rocky Nikaïd qui nous a fait une petite frayeur. C'est parti, chercher Cédric Sanso. Il n'y a pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Attention de ne pas s'énerver, de toujours rester concentré. Cédric, il tombe toujours un petit peu avant et il réclame la faute. Il faudrait attendre le contact et après... les arbitres pensent que voilà, il exagère un petit peu. Il exagère, c'est ça. Il ne reste pas sur ses appuis. Donc, il a quand même un client là avec De Tadeo. Oui. Là, il y a une faute. C'est une faute de la part d'Amir Ouiné sur Belkacem. Voilà. Il a une poussée dans le dos, on va dire. Berger pour coller. Qui va chercher très loin. Oh, là par contre, sur l'arbitre, voilà. Là, il y a obstruction. Bien joué. Voilà, là quand il réclame pas, quand il tombe sur les... C'est l'arbitre va siffler. Il faut juste éviter de rentrer dans cette surenchère un peu de la faute. Et peut-être que ça passe en Super League avec les arbitres locaux, mais là on a quand même un arbitre de Ligue 1, Ligue 2, donc je pense qu'il en a vu d'autres. Oui, je pense que c'est. Rocky Nikaïd, un très long ballon. Il va trouver Cédric Sanso et encore De Tadeo qui est là. Cédric qui insiste. Et encore De Tadeo qui est là. Attention, Jordan Titma sur le côté. Avec William Tao. Ça, c'est bien joué. Bien joué de la part de Dan. Ami, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Attention, côté droit là-bas, faut pas qu'il dézone Willy. C'est du 4 contre 4. Il est bien joué, bonne lecture de la part de Tidjitma, Jordan. Il y avait un contact hein, sur Antoine, mais à partir du moment où l'arbitre voit que le ballon il n'est pas maîtrisé par l'attaquant et que voilà, ce contact arrive un petit peu après et qu'il est perdu, voilà, ils ont du mal à siffler ces fautes-là. Donc il faut continuer, il faut se relever. Il faut...
Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le jeu continue et on ne s'arrête pas. Voilà, là on est tombé un petit peu depuis 5 bonnes minutes là, sur un espèce de faux rythme. Là. Donc il faudra éviter, faut qu'Ingen arrive à mettre justement du rythme, un peu plus de course, un peu plus d'appel, un peu plus de jeu direct, voilà comme ça. Ah, il est Jordan encore avec Brice. Une. Bien joué. Attention parce qu'ils reviennent très vite se replacer. On voit qu'ils sont préparés physiquement. Hein. C'est à la 70e minute. On va voir si entre les deux équipes, la fraîcheur. C'est les latéraux, il faut qu'ils nous apportent plus là au niveau offensif. Il faut qu'ils soient techniquement, ce soit propre au niveau offensif, surtout quand ils sont seuls comme ça, qu'ils n'ont pas de pression adverse. Là c'est là où ils peuvent regarder sur l'image. Van n'est pas attaqué, le ballon se débarrasse un petit peu, c'est dommage. Il arrête le ballon, il faut qu'il continue de vivre. En plus, il a les qualités techniques pour justement maîtriser bien son sûr. Ballon, donc c'est là où il faut qu'on s'applique un petit peu plus. Allez, c'est reparti. Daïté, récupéré loin par Jaquel. Oh, bien joué de la part. L'année dernière, donc Ingen était face à une équipe de National 2. Cette année, elle se retrouve avec National 3. Une National 3 qui a le niveau d'une National 2. Ils sont leaders de leur poule. Attention, c'est pas des choses à faire. Attention. Ah, bien joué. Heureusement qu'il le joue. C'est une sortie de but. Sortie de but. Pourquoi il met corner l'arbitre ? Je comprends pas pourquoi il met corner l'arbitre. C'est l'arbitre de touche ou l'arbitre de... L'arbitre de touche qui signale le corner alors que c'est le centre sur un bleu. Et là il y a un souci là. Je crois qu'il exagère cet arbitre. Non mais là c'est. Non, là, c'est... là je veux bien qu'on fasse des petites erreurs, non, mais là non, c'est non, assez là, flagrant. Là, en plus, il persiste quoi, malgré que bon après ouais. Il veut pas évidemment tomber sous la pression de Roy. Il faut laisser. C'est... Mais là quand même, il y a tout le stade, tout le monde a vu que c'est, ouais. c'est que le bleu qui la met en corner et il n'y a que l'arbitre de touche. On va plus mâcher nos mots si ça continue. Donc, Et là, faudrait pas que Thionville marque sur cette action. Bon voilà, on dirait que l'arbitre a. Bien joué l'arbitre centre. Il a mis un petit. En tout cas, qu'ils prennent des conseils sur l'arbitre de centre, l'arbitre de ligne, parce que là. Ah, et là c'était quand même assez flagrant. Là, c'est flagrant, c'est la deuxième grosse faute d'arbitrage qui est flagrante de la part d'arbitre de touche. Je ne parle pas de l'arbitre central parce qu'il arbitre super bien. Je trouve que c'est un match qui a été arbitré, qui a été opéré. Enfin, l'arbitre de centre, en tout cas, fait un super boulot. Attention à ces petits coups d'épaule, ça c'est. Effectivement. Oh l'arbitre, là il y a un mauvais geste. Et là il y a un mauvais geste. Et là normalement. Ouais. Et là on parlait de gestion des émotions pour nos joueurs de Ingen tout à l'heure. Et là on dirait que ce sont les bleus de Thionville qui. Ouais. Il y a Dabas. Là normalement, puis l'arbitre, il y a au minimum un jaune pour le numéro 9, voire un carton rouge, étant donné que c'est un mauvais geste. On va revoir le geste. Le public. Ouais, là c'est là il vient consulter son quatrième arbitre. Qu'est-ce qu'il dit Frédéric Lacour. Voilà, normalement là vu la réaction du capitaine, il va mettre le rouge. Voilà. C'est ça. Carton rouge. C'est ça. Bien joué Frédéric. Mauvais geste, mais il y a pas mauvais de geste, c'est il logique a hein. le signal. Allez. C'est peut-être le tournant du match pour les garçons de Ingen. De Ingen, il faut rester concentré. Voilà, Ria Babas. Ouais, mais là il n'avait pas à faire ce geste, il peut contester. Il y avait faute, l'arbitre a sifflé la faute pourtant. Mais après c'est le jeu, il faut que Ingen reste concentré. On parlait tout à l'heure de cette gestion des émotions, ben là ils sont tombés dans le panneau. Et c'est dommage. Ouais, faut continuer parce que c'est pas dit que ça va être plus facile. Mais en tout cas, il y a un avantage. Et après, il faut savoir
profiter de cet avantage. Et donc il y a des paramètres à respecter. Il y a des, Et Ivan, il a bien joué le coup, hein. Il s'est tout de suite mis au sol, hein, après ce contact, cette espèce de low kick. Donc en tout cas, ça relance un peu ce match. Allez, là, Thionville à 10 contre 11. Il reste une petite demi-heure. Là, ouais, normalement, ils vont exploser. Voilà. Il avance sur sa gauche. Il a vu, il est parti sur la droite, pas se cacher à gauche. Il aurait dû prendre plus de temps, plus s'appliquer. C'était bien joué, mais on l'a lu déjà dans son comportement qu'il allait faire sa passe cachée à gauche et conduire sur la droite. Bien lu de la part de Vincent Collet. Voilà, 23 minutes. Il reste, on est à la 68e. Il reste voilà, une grosse vingtaine de minutes. En plus des arrêts de jeu, une trentaine de minutes. C'est ça. Bien joué de la part de Rocky. Décalé à gauche pour Willy. Lien Tao qui va chercher très loin, il ne faut pas se presser. C'est ça. Il ne faut pas tomber dans la précipitation. Il y a une supériorité. Bien joué, Cédric. De la part de cette espèce de contre-pressing là, bravo. Bien joué. Oh là 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 là. C'était justement limite. Ce ballon qui a dû sauter avec cette pelouse qui est. On dirait qu'il s'est déséquilibré, Jordan. Voilà cette récupération haute, ça, ce contre-pressing de Cédric qui récupère le ballon. Et là, cette passe. Oh, et voilà, il saute le ballon. Ballon saute, le corps penché en arrière. C'est le cocktail ouais, pour que le bon cocktail pour que le ballon monte. C'est dommage. Ça veut dire que là, il y a la place, encore plus la place. Donc, il faut répéter. Il y a la place, comme tu dis. Il faut continuer. Pas qu'il se décourage. Attention Cédric, attention, voilà. Eh oui. Voilà, ne pas rentrer dans ce jeu-là, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a 10 contre 11, ça sert à rien. C'est s'exposer à, parce que là, ça. Parce que là, on voit Médéric, il est là. Ouais, et puis bon, le coach n'a rien à voir dans l'histoire. Ouais, le coach. Non, je dis, mais Médéric peut signaler que oui, c'est clair que Cédric, il est un peu. Mais bon, attention. Attention, Jacquel, bien joué de la part de Jacquel. Ah. Voilà. Le truc, c'est que Cédric va sortir de son match. Voilà, il va sortir. Il s'expose au carton. Ouais. Il s'expose, il est en train de. Surtout que. Alors qu'il n'y a pas lieu de. Non. De prendre feu comme ça, de. De découper, il n'a pas dégoupillé, mais d'être sur cette espèce de corde un peu tendue où on essaie d'être à 200%. Voilà, il faut savoir se poser, se calmer, et surtout lui, il a assez d'expérience pour ça. Il doit mettre tout le potentiel qu'il a au service de son équipe. Là, ça, ce qu'il vient de faire, qu'on voit à l'image, c'est après, exprès, pas exprès, c'est là après que justement. Il faut faire preuve d'intelligence. En tout cas, il y a un coup franc très dangereux. Attention. Oh, il la sort. Attention, ce genre, ces petits ballons, ces coups francs, ils sont dangereux. C'est dangereux, ils sont frappés par justement Poissignan. Bien joué. Ça, c'est souvent ces fautes-là d'énervement, d'agacement qu'on fait aux abords des surfaces. Ça, derrière, c'est voilà, des petits ballons qui traînent comme ça. On peut très vite regretter, donc il faut faire attention à ne pas. Voilà. Attention. Voilà, il faut encore Voilà, il faut les laisser. Il faut les laisser. L'arbitre le voit. Il faut les laisser faire des fautes. Il faut continuer. Remplacement. Donc la sortie de Jacquel pour laisser entrer le numéro 12, Ibrahim Assila. Et la sortie de Jacquel, de Belkacem, pardon, qui va laisser sa place au numéro 17. Donc je vais peut-être Baradi. Je ne suis pas sûr. C'est ça, Baradim. Ibrahim, le numéro 17, qui fait son entrée. Il
deux joueurs qui sont entrés en jeu. On va porter. Allez, ah, là il faut aller. Ah, Zimmermann, sans problème. Là, ce qui était intéressant sur cette action-là, c'est qu'on a vu tous les joueurs de Thionville reculer. Donc, ils sont en train de craindre aussi cette équipe de Yengen. Forcément, ils sont 11 contre 10, mais ça montre aussi que voilà, ils ont cette petite crainte. Donc, il faut en profiter. Parce que, ouais, mine de rien, leur tourne, hein, il reste déjà 18 minutes. Donc, il ne faudrait pas trop tarder non plus pour revenir au score. Et oui, leur but, c'est de tenir le score, voilà, aujourd'hui. Il a fait ses remplacements pour ça, c'est je pense. Ça. La gestion du score, il y a deux joueurs qui sont rentrés. Peut-être des joueurs à Baradji qui est peut-être un peu plus offensif que on dirait que voilà, Silla. Ouais, c'est ça, que Baradji Silla va qui... rester en pointe. C'est ça. Et je pense qu'ils vont passer en 4-5-1. Oh là, ça se voit, ça. 4-4-1, 4-4-1, pardon. 4-1, voilà. Donc, il va soutenir son milieu. Le coach de Thionville. Très bien joué, Fonzi. Il faut rester debout, Cédric. Allez. Ah, là, dans l'utilisation du ballon, ils ont un peu plus de mal, Thionville. Forcément, ils sont à 10, mais pas que ça. Yengen les gêne beaucoup dans leur relance, c'est ça. Dans leur placement, dans la rigueur, dans la discipline qu'ils mettent là sur le placement défensif. Donc il faut continuer, mais après, c'est dans la récupération du ballon, il va falloir qu'ils fassent mieux dans l'utilisation au niveau offensif quand ils ont récupéré le ballon. Ah, changement du côté Amir Oyeni qui va sortir, qui va laisser sa place à Bertrand Caille, l'ancien. Ouais. Qui va amener toute sa détermination, on le connaît, hein, Bertrand. Et le deuxième remplacement, ça va être Jean-Claude Hilly, que j'avais vu tout à l'heure, et qui va prendre la place de Ivan Bami. Et Willy Yentao va décaler à droite pour laisser Jean-Claude à gauche. Là. À gauche, voilà. Et là, on amène l'expérience devant. Et le mental de guerrier de Bertrand qui va voilà ouais, c'est ça. Qui va amener qui va venir en aide à son équipe un peu devant là pour amener cette rigueur, cette discipline encore et nouvelles armes, sa détermination sans faille pour son équipe. Voilà. Tadeo qui lance à droite là-bas. Belkacem. Allez, Jean-Claude, voilà. Willy. Ah, il faut venir. Ouais. On a le temps. C'est fini. Il avait un relais avec Franzi. Ouais, voilà, essayer de chercher devant comme ça. Sur un. Il ouais, ne faut pas avoir peur de faire, de refaire, de faire bouger le bloc, surtout qu'ils sont 10. Allez, 15 minutes pour aller chercher ce but, au moins pour aller chercher le match nul. Et après. Ah oui, je pensais qu'il n'allait pas signaler. Il manquerait plus. Là, ça aurait été exagéré quand même. Parce que tous les autres arbitres, ils sont bons en fait. Hein. Ils ont bien joué le jeu, que ce soit Bertrand Brial, Henrik, quatrième arbitre et puis l'arbitre central. Ah, il a fait quand même quelques erreurs, Alan Chenot là-bas. C'est... Ah ouais, quelques. Bien, Cédric, voilà. C'est des erreurs vachement importantes. Quoi. Grosse erreur. Mais, en tout cas, les trois autres officient bien et ça, c'est. C'est de bon augure pour. Quand Cédric met cette intensité là, il est super précieux et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on veut le voir. Au service de son équipe, dans la récupération, dans le jeu aérien. Il faut vraiment qu'il reste concentré là. Il ne reste plus beaucoup de temps, on a besoin de tout le monde. Et il va y en avoir. Il va y en avoir au moins une ou deux encore d'occasion. Donc il va falloir être présent. Alors je rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur la FCF TV Web, on est à la 76e minute de ce 7e tour de Coupe de France où justement Yengen Sport affronte l'US Thionville Lusitanos. 1-0 depuis la 16e minute, but de. Oh, c'est bien joué. Allez, Bertrand. Je regardais le but de Gourici, Shafik, mais quand même Yengen Sport qui. Attention à ne pas trop s'exposer. Attention, parce que lui, il est pas maladroit avec ses pieds. Et attention, et voilà. Voilà, à 10. Et voilà. Ça, je vous ai dit à 10, il faut faire quand même attention, prendre le temps.
Un 14e pour Franzi Ranchin. Ouais, au départ de l'action, il fait une obstruction. L'arbitre a laissé l'avantage et derrière but. Donc voilà, c'est la qualité, justement, le détail. Hein, le détail hein, qui fait qu'il y a une équipe qui est au-dessus de l'autre, c'est justement cette gestion. C'est ça, là, on a bien vu qu'à 10. Il y a une gestion, il n'y a pas eu de panique. C'est ça, pas de panique. À la récupération du ballon, ils ont su profiter de l'occasion qu'ils ont eue de pouvoir arriver sur un 2 contre 2. Voilà, il y a eu un super arrêt de Rocky. Malheureusement, le ballon revient dans l'axe et l'attaquant a suivi. En tout cas, il faut continuer. On est 11. Oui, sur le terrain. C'est loin d'être fini. Le match est loin d'être fini. Donc, Il y a eu un carton rouge pour Thionville, Riyad Abbas, ancien joueur du centre de formation de Lille, hein, un gros profil, qui a pris un rouge. Et puis, depuis maintenant une petite vingtaine de minutes, les joueurs évoluent à 10. Et on a vu toute la joie hein, du banc, du banc de Thionville. C'est une libération, hein, c'est pas toujours facile de jouer à 10. Hein, là, on joue tous derrière, regarde, 4 derrière, 4 au milieu, et l'attaquant. Et ça montre aussi le soulagement qu'ils ont eu. Ça montre qu'ils ont eu peur, qu'ils ont peur aussi de cette équipe de Yengen, hein, qui aurait pu revenir à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est pas fini, il reste encore 12 minutes. Et il faut y croire. Il va y en avoir des occasions, il faudra bien les négocier par contre. Attention, c'est pas fini. Attention parce que derrière, il faut rester rigoureux, il faut rester discipliné derrière parce que le numéro 17 a l'air de prendre tous les ballons de la tête, tous les ballons aériens. Je crois qu'il a mis, c'est le meilleur profil pour jouer au pivot. Ouais, il est tout seul à officier, hein, à faire la navette, à défendre. Ibrahim Baradji. Voilà, Franzi Ranchin qui est descendu dans l'axe. Attention, encore Groun. Et encore tout à l'heure, hein, Groun, hein, il a pris ce ballon là dans le rang central. Il est parti, il a été provoqué deux défenseurs. Il a réussi à trouver une position de tir qui n'a pas fait mouche, mais qui a permis à son partenaire de doubler la mise. Il a emmené deux adversaires sur lui et a permis à Baradji d'être seul et de marquer ce but à la 77e minute. Franzi Ranchin. Ah, ils sont bien en place hein, derrière. Hein. Ils sortent que. Là, ils opèrent avec un bloc médian. Ils vont plus sortir, là, les bleus. Ils sortent d'aller chercher le score. Quand tu rentres dans leur zone, là, quand il va arriver dans la zone, c'est parti. Et voilà. C'est reparti. Attention, du 4 contre 4. Ouais. C'est du 4. Bien joué de la part de Franzi. Ouais, là, il faut aller vers l'avant, les garçons. Il faut continuer. Il descend très bas. Brice Daïté. Il a plus besoin de lui devant, là-bas. Continuer, il faut avancer, il ne faut pas reculer. Voilà. À droite pour Roy. Changement complètement, attention, parce qu'après. Le buteur. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était Baradji le buteur, mais non. Non, c'est le numéro 12 là qui a marqué. C'est Ibrahima Sylla. Sylla. Voilà, et là, ils vont pas se presser hein, pour refaire les remises en jeu. Ils mènent 2-0, ils sont à 10. Il reste 10 minutes de jeu. Maintenant, ça va être la gestion du score. Hein. C'était déjà le cas tout à l'heure. Il y avait 1-0, mais. Et le voilà encore. Et le voilà encore. Et le voilà encore. Et Baradji. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'il est hors jeu quand même. Là, par contre, il aurait pu peut-être y aller, mais. C'est le troisième but et c'est le but de Pignatone, je ne sais pas comment on dit, Pignatone, et voilà, ils sont contents, hein, ils ont raison de montrer leur joie, ils sont en 10, mais j'aimerais voir quand même le ralenti. Est-ce que ça va donner sur le ralenti? Parce que, on va revoir, donc là, bon, là y a... et là les joueurs, ils regardent au lieu de descendre, de prendre de l'avance sur la couverture. Il y a un duel, il n'y a rien. Là. Là non, il court. Oh, non, il n'y a pas d'enjeu. Non, il n'y a pas d'enjeu, il y a Jordan qui est derrière.
Et là, non, c'est Willy qui l'a. Il n'y a pas d'enjeu. Bien joué. Bonne décision de bonne décision, ouais. Non, mais quand il y a des bonnes décisions, on le dit. Quand il y a des mauvaises, on le dit aussi. Donc là, c'est une bonne décision de la part de. Allez, ça repart. Willy Yentao. Bertrand. Attention, parce que là, ça va. Ouais. 4 contre 3 en supériorité numérique. Attention aux grosses fautes. On va rester quand même propre. Oui, il faut continuer à jouer au foot. Le match est bien déroulé. Voilà, ça continue. Il faut garder cette. Et essayer d'aller, voilà, d'aller marquer ce but. Voilà, bien joué. Bien joué. Allez. Allez, Jordan. Il y a quand même une sortie de but. Bien joué. J'ai l'impression que le gardien avait touché. C'est ça, bien joué de la part de Bertrand Brial. Corner. Voilà, il faut bien terminer ce match. Il est pas fini, mais bon, ça va être difficile. Hein, il y a trois buts. Ouais. Ils sont tous les joueurs de Thionville sur leur but. Voilà, c'est pas la. C'est pas la meilleure défense de leur championnat pour rien. Oui, là, ils ont encore montré que défensivement. Ouais, 5 buts encaissés et 19 buts marqués, c'est quand même le profil d'une équipe qui joue les rôles de leader, de haut de tableau. Donc en 8 matchs, il y a eu 19 buts marqués, 5 buts encaissés, et ils sont leaders, ce championnat. Et ça repart. Avec Silla qui donne magnifique ce contrôle. Il va partir à droite, dans le dos. Il l'a vu à gauche, il va la mettre à droite. Non. Il va partir. Ouais, bien joué Willy, très bien défendu. Bien défendu. Super bien défendu, il n'y a rien. Magnifique. Dribblé. Allez, c'est reparti, il faut repartir. Ça part dans l'espace. On n'a pas réussi à trouver Jordan Ossia. Là, ouais, bien joué, il n'y a rien du tout. Bien joué. Il n'y a rien du tout. Ouais, c'était Jordan, pardon. C'était Boula. Ouais, c'est. Ah, les joueurs qui sont fatigués, on le voit hein, au sol. Collet. Vincent Collet. Ah non, c'est une faute. Il réclamait une faute. Bien joué de la part de l'arbitre qui le relève. Donc on voit un 90e Pignatone qui marque. Silla à la 70e minute. Et puis Gurici à la 16e minute, ce qui porte le score à 3. Après le carton rouge, voilà, Yengen a voulu se découvrir forcément pour essayer d'aller, marquer. Et on a pris un contre qui a été foudroyant sur ce deuxième but. Et là, après, bon, le troisième, on va dire qu'il est pas anecdotique, mais presque. Voilà, de Tadeo. Voilà, c'est bien parce que Yengen continue à jouer, à essayer de poser le jeu, à essayer de. Voilà, de. De montrer quelque chose, voilà, c'est bien joué, ces décalages ils sont faits. Ouais, attention, faut continuer de jouer. Willy, bien suivi de la part de Baradji. Baradji est puissant. 4-0. Et voilà, 4-0. 4-0. Voilà, c'est contre qui sont, ouais, c'est. On s'est vu sur le ballon en cloche, Willy a regardé le ballon, alors que Baradji, lui, il a couru. Il a continué. Pour essayer, il croyait qu'il allait recevoir. Et il l'a cru. Et il a bien fait de croire qu'il allait prendre ce ballon. Et puis après, c'est altruiste qui permet à Groun de marquer ce quatrième but. Ah, ça et puis, d'offrir. Bien récompenser son beau match, hein, ce numéro 10 là, Groun. Oui, il a eu justement le voilà à l'image. Hein. Un impact sur la formation de. Ouais, ça a l'air d'être un élément offensif très important, ouais. Ouais. Julien François, qui je rappelle joue au Gazélec en 2000-2001 avec Robert Wayaridri. Et puis c'est un joueur, un ancien pro qui a joué à Metz, à Grenoble. Gazélec.
C'est dommage parce que j'ai préféré le visage de Yengen en deuxième mi-temps et bizarrement, et voilà, c'est, ils en ont pris trois. Et après, oui, on n'a pas réussi à être assez efficace devant le but. C'est dommage parce que je trouve qu'ils avaient montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Et c'est ça des fois le football. C'est ça. Des fois c'est ça le football. C'est une incertitude permanente parce que bah, ça peut évoluer à tout moment. Lilian Tao qui va écarter de l'autre côté. Et donc on a eu l'entrée de Jean-Luc Décoiré qui a pris la place de Dan Gaiwe qui a fait aussi son match. Bien joué cette touche. Bertrand. Oh là là. Il était tout proche de réduire le score, mais. Ça aurait été tellement beau qu'il marque pour. Bon, je vais pas dire que c'est sa dernière Coupe de France, je ne vais pas lui porter malheur, mais il est plus proche de la fin que du début. Ça aurait été beau qu'il marque là sur cette action. C'est ça. On voit. Bon service de Jordan. Jordan Wichia qui a fait aussi son match. Hein. Un peu trop vers son pied, c'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. En tout cas, voilà. On arrive justement. On est sur la bientôt fin. À la fin de, cette, de ce match. 88e minute. Deux joueurs qui vont entrer au jeu. Voilà. Il y a Grun qui sort, le buteur. Voilà. Grun qui sort. Et De Tadeo aussi qui sort. Ouais, qui a fait deux gros matchs. Voilà, deux gros matchs. Voilà, Colloiero Nicolas qui rentre à la place de Raoul. Et voilà, Raoul Colloiero. Et puis De Matteo qui sort et qui laisse la place à Jérémy Lauraté. Ouais, et on a les supporters hein, qui ne se trompent pas, qui applaudissent le joueur. Un connaisseur, le public de Yengen, qui est très sportivement, qui applaudisse Grun, qui a été en. Oui. Je ne sais pas si on peut le dire que ça va être l'homme du match, mais en tout cas, il a fait un gros match, il a été très déterminant pour son équipe. Oui, il a fait un gros match. Après. Bien joué ce ballon. Ah, il faut continuer les blancs, c'est bien. Il ne faut pas s'arrêter. C'est vrai que le score il est lourd, mais ils n'ont pas à rougir dans le match. Défaite, ouais, sur le contenu du match, Yengen a été à la hauteur quand même. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est dommage parce qu'ils ont montré un beau visage. Hein. Oui, ça ne reflète pas forcément la physionomie du match, le score. À 3 minutes d'arrêt de jeu, indique M. Lacour. Et encore. Une énième offensive de la part des joueurs de Julien François et ça aurait pu faire mal et un doublé pour Pignatonnet. Pour enlever. Et ça montre voilà, la différence qui peut se jouer aussi à ce niveau-là. C'est un peu l'efficacité dans le dernier geste. Marqué sur le peu d'occasions qui se présentent. Réaliste, efficacité. Voilà, exactement, le réalisme. Et donc on l'a vu hein, encore. Et puis il y a cette patience. Cette patience de la part de. Alors que c'est Yengen qui a dû faire preuve de patience d'aller doucement. En tout cas, deux nouveaux joueurs rentrés en jeu. Ouais, il y a Félix qui sait que c'est la fin, il fait rentrer deux petits Julian, jeunes pour qu'ils participent un petit peu. Ça, Julian Daité qui va remplacer Willy Yentao. C'est bien. Ça va leur permettre de découvrir un peu le. Et Emmanuel Kayara, pareil, qui va rentrer à la place Dietmar. Emmanuel qui est un peu plus, voilà, qu'on connaît un petit peu plus, hein, qui a fait partie des moins de 20, qui joue des bouts de match, voire des matchs en ça. Super League. Jean-Luc Décoré qui va passer derrière avec Fonzi. Ouais, Yengen, ils ont la chance d'avoir des joueurs qui sont vachement polyvalents. Attention. Roy qui est passé sur le côté droit, voilà, c'est bien joué. Allez. Ah, dommage. Ah, bien joué.
Ah, ça panique pas du côté de... Ouais, bon, ça dégage, mais derrière, ça... À 4-0, il n'y a pas lieu de paniquer pour les joueurs de Thionville. Et puis, cette aisance technique qui leur permet de... Attention. Attention. Ouais, carton. Les derniers défenseurs, carton rouge. Hein, pas... Ouais, là, je pense pas que M. Rainville ait la nécessité de mettre un carton... On va mettre un jaune. On va mettre un jaune, mais voilà. C'est ça. Il est dans l'esprit. C'est son deuxième, je crois, à Fonzi en plus. Oui, donc, après 4-0. C'est son deuxième jaune, ouais. Il me semble qu'il avait pris un jaune tout à l'heure. Deuxième jaune, carton rouge pour Fonzi Rochin. Ça. Ils vont terminer à 9, les joueurs de Félix Tagawa. Non, 10, ils sont à 10. Ouais. Ah, 10, pardon, parce que c'est vrai que tout à l'heure, ils étaient. C'est l'équipe de Thionville qui était à 10. 10 contre 10. 3 minutes de jeu restantes. Maintenant une minute, je pense. C'était 3 minutes de temps additionnel. Oui, là, on est sur la fin. On est sur la fin du match. Ça va être la dernière action, je pense. Et puis, je pense qu'ils vont même pas attendre que Fonzi rentre dans les vestiaires. Ils vont le laisser sur le banc parce que voilà, il n'y a pas de. Hors-jeu. Ah, l'arbitre. Et voilà, Kenji. Voilà. Ben... C'est justement avec beaucoup de déception. Ce match se finit, mais quand même, il y a eu une belle rencontre entre ces deux équipes pour ce 7e tour de Coupe de France où justement le Yengensport a accueilli cette équipe de Thionville-Lusitanos ici au stade Lou Madélé. Malheureusement, 4 buts ont été encaissés. 4 buts ont été marqués par cette équipe de l'US Thionville avec son entraîneur Julio François qu'on félicite. Bravo à eux, même à 10 après avoir pris un carton rouge. Et menaient quand même 1-0. Ils ont su garder leur efficacité, leur qualité de jeu. Et ils sont arrivés à doubler, à tripler, à quadrupler la marque, Kenji, sur quand même une rencontre équilibrée. Et, de la part de Yengen, ils ont montré un beau visage. Quoi. Oui, c'est ça. Bon, Thionville a fait respecter la suprématie. On en parlait tout à l'heure sur la difficulté de nos clubs à gagner ce genre de match. Bon, là, on revoit les actions là, au ralenti. Voilà, la première occasion tout à l'heure avec le très très gros arrêt de Rocky sur un débordement et puis un centre à ras de terre. Et voilà, c'est ces occasions qui font toujours mouche, on va dire. Et là, voilà, c'est le but. C'est tout le but. En une touche de balle, des décalages qui se font de tous les côtés. Et voilà, une frappe, la deuxième frappe et but dès la 15e minute. Ils ont donné le temps dès le départ. C'est ça. Et après, Yengen a su reprendre un peu en main le cours du jeu. C'est créé aussi des situations. On a toujours ce Groun à la baguette et cette frappe qui arrive dans les bras de Rocky. Voilà, encore une fois, ce jeu de déviation et de frappe et Rocky encore sur les trajectoires. Là, on entend les supporters qui félicitent ces joueurs parce qu'au-delà du score, hein, le 4-0, ça ne reflète pas forcément le... Pas la qualité de Thionville, mais en tout cas l'équilibre du match qu'il y a eu entre ces deux équipes. Ce qu'on disait, là on le voit encore à l'écran, Yengen s'est créé des situations, hein. Ils sont à peu près à égalité numérique en termes d'occasion. Voilà, ça c'était la perte de balle vers le milieu de terrain, le 1 contre 1 entre Rocky et l'attaquant de Thionville. Mais voilà, là je crois que ça va être le but refusé sur la déviation, voilà, sur la déviation de Cédric où il n'y a jamais hors-jeu. Et malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement. Et comme quoi, hein, ça joue beaucoup. Ouais, une décision arbitrale joue beaucoup sur l'issue d'un match. C'est un élément clé qui aurait pu changer la physionomie, mais on ne sait pas. Voilà, et après encore un corner, une situation. Ami qui n'arrive pas à exploiter ce ballon. Et on voit en termes de nombre d'occasions, une situation. Yengen n'a pas à envier son adversaire. Hein. Ils ont réussi à se procurer des occasions. Voilà, cette deuxième mi-temps où il rentre mieux dans la partie, je trouve. Voilà, avec cette sortie du gardien qui a été un petit peu chanceux. Chanceux parce que derrière, voilà, heureusement que Dan n'exploite pas de la meilleure manière ce ballon. Mais voilà, on le voit, hein, c'est Yengen qui a le ballon, c'est Yengen qui se procure les occasions, les situations. Donc, voilà, c'est ce manque d'efficacité. Voilà, ce manque d'efficacité, on est dans la surface, on a du mal. Et voilà ce carton rouge, bon il y a la faute, l'arbitre a sifflé et l'autre il s'est énervé, il met un coup de pied, carton rouge logique de la part de M. Rainville. Donc là c'est M. Lacour qui a vu son quatrième arbitre qui va venir lui dire, donc voilà il lui met le carton rouge et jusque là Thionville n'avait pas eu d'occasion.
là on voit bien sur le résumé, hein, ils n'avaient pas eu d'occasion. Il n'y avait qu'un but. Il n'y avait qu'un but d'écart à remonter, voilà, et Yangen a poussé et puis s'est fait prendre en contre. Malheureusement, donc on va le voir, hein, sur les images. Donc là l'arbitre, voilà, encore des occasions. Là c'était la plus grosse occasion sur 60 en retrait là, de cette deuxième mi-temps. Voilà. Ça, c'est... Et puis après, ben voilà. Et voilà, et là le coup contre, de massue. La frappe déviée et qui revient dans les pieds de Ibrahim Assila. Ça fait deux. Ça fait deux et là ça devient plus difficile après, parce qu'il reste 15 minutes à jouer. Il restait 12 minutes à jouer. Et là après sur des contres, il y a de la relâche, il y a un relâchement aussi de la part de Yangen qui est normal parce que voilà, ils prennent un petit coup de massue aussi. Mais voilà, encore une fois, en termes d'occasion, en termes de. Le score pour moi ne reflète pas la physionomie du match. Ça reflète juste l'efficacité en fait d'une équipe qui a su c'est marquer ses occasions. Oui, ils démontrent encore que le statut qu'ils ont d'être la deuxième meilleure attaque, là, ce dernier but de Groen, la deuxième meilleure attaque de leur championnat, c'est la meilleure défense. Aujourd'hui, ils ont gagné 4-0. Donc ils ont que c'est aucun but. Ils ont démontré que c'était une très bonne défense. Ils ont marqué 4 buts. Ils ont démontré qu'ils faisaient partie des meilleures attaques de leur championnat. Donc forcément. On peut croire qu'avec le score, on peut croire que Yangen a été dépassé ou a été surpassé par son adversaire, mais non en fait. Oui, c'est ça. C'est efficacité, comme tu le dis, et ce réalisme de cette équipe de Julien François. Vraiment, le coach et son équipe a montré aujourd'hui que Chanville a montré sa maîtrise. Chanville a montré sa maîtrise. Nous a montré pourquoi aussi les leaders de son groupe de National 3 du Grand Est. Et voilà, deuxième meilleure attaque, meilleure défense. Ils n'ont pas pris de but, comme tu as dit, ils en ont marqué 4. Donc ça rentre dans les normes pour eux de ce début de saison qu'ils font sur la métropole. Mais Yangen n'a pas du tout à rougir de cette défaite. Et le score, encore une fois, ne reflète pas la physionomie du match. C'est dommage, il y avait la place. Mais Yangen a manqué d'efficacité et de réalisme devant le but. Voilà, sur ces images de l'US Thionville Lusitanos, merci Kenji de m'avoir accompagné sur cette rencontre, ce 7e tour de Coupe de France, on a espéré. Malheureusement, voilà, l'image de Julien François, le sourire est de l'autre côté. C'est ça, il faudra attendre l'année prochaine. L'année prochaine. Ça va être normalement un déplacement sur la métropole hein, pour le 7e tour, pour l'équipe qui va être vainqueur de la Coupe de Calédonie, qui va reprendre l'année prochaine sur la saison de 2024. Et puis on espérera que on accrochera un petit peu plus ces équipes pour essayer de passer ce 7e tour qui quand même a l'air d'être quelque chose d'inatteignable puisque il n'y a eu qu'une seule qualification depuis pas 35 mal d'années. Participations ou 34, je ne sais pas, mais en tout cas Kenji, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci aussi à Romain. Romain, en Indonésie là-bas avec les U17 qu'on salue, avec tout le monde. Bonjour Léo, l'entraîneur Léo Lopez. Bon retour sur Nouméa, j'espère que vous avez profité, que vous avez engrangé le maximum d'apprentissage et de leçons en Indonésie. Nous, on a appris ici, j'espère qu'avec le championnat de cette année, les supports que vous avez pu utiliser avec la régie télé, technique, ouais. Là, qui nous entoure, là, le ralenti, le réel, les caméras, ils ont apporté beaucoup d'outils pour développer le football calédonien. J'espère que ça va vous servir, Kenji. Oui, parce que le fait que ce soit retransmis à la télé, ça permet aux gens de suivre la Super League, mais ça permet aussi aux éducateurs et aux entraîneurs de pouvoir avoir un retour sur les performances de leur équipe, hein, que ce soit à tous les niveaux. Et c'est vachement c'est une très très grosse avancée, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais merci à tout le monde. Coucou à Romain, aux garçons qui sont avec les U17, Léo, il y a M. Blanc aussi, Didier qui est parti avec eux, aux joueurs, au staff. Et on a nos cagous qui jouent à 10, normalement qui ont commencé leur match à 16h contre Tanga là, sur les Jeux du Pacifique. Que Fonzi et Rocky normalement vont rejoindre très bientôt pour ces Jeux du Pacifique qui ont lieu au Niara. Oniara, bon courage, bonne chance à eux. Merci beaucoup. Merci à la Fédération, à la FCF TV Web. Merci à NK Prod, merci à toute l'équipe. Merci à tous. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour. De nouvelles aventures sur les terrains de foot. C'est ça. Merci beaucoup, John, et merci à tout le monde.